tous, merci de nous recevoir. Merci d'être venus. Bonsoir tout le monde. Bonsoir au public du studio 102, donc bonsoir chez vous. Merci de nous recevoir. Les jeux d'argent font-ils le bonheur? C'est la question que pose Ça se discute ce soir. En mars 97, il n'y a pas si longtemps, un gagnant a remporté au Super Loto la somme de 150 millions de francs. Un record de bénéfice pour un record de probabilité. Il y a en fait une chance sur 13 millions, voire une chance sur 14 millions, d'avoir les 6 numéros du loto. Et pourtant, les Français qui connaissent ces probabilités sont très joueurs. Selon Francoscopie, un ouvrage qui recense les habitudes de nous autres, 2 habitants de la France sur 3 jouent au moins une fois par an, à un jeu d'argent. Et la somme moyenne investie dans les jeux d'argent est de 110 francs, donc par mois cette fois-ci, et par personne. Ce soir, dans Ça se discute, donc, on essaiera de comprendre ce qui fait courir les joueurs. Est-ce que c'est le plaisir du jeu? Est-ce que c'est le plaisir de perdre, comme le chantait Étienne Dao? Ou est-ce que c'est plus simplement l'appât du gain? Cela dépend des joueurs, bien sûr, mais il y a quand même certaines constantes. Pourquoi, par exemple, les hommes jouent-ils plus que les femmes? Comment expliquer que certains deviennent dépendants du jeu au point de se mettre en danger, eux et leur famille, emportés par une sorte de tourbillon émotionnel qui s'apparente à une drogue? Le jeu est par définition ludique, alors comment glisse-t-on du plaisir à la dépendance? C'est toute la question, nous verrons cela notamment avec Isabelle. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Très jolie couleur de cheveux Isabelle, naturelle j'imagine. Oui, bien sûr. Bien sûr. Vous avez décidé... Isabelle... Vous avez décidé de vous faire interdire de casino il y a quelques mois, en octobre 98. C'est ça, oui. Vous me direz pourquoi, comment, pour quelles raisons vous avez effectué cette démarche. Et puis les difficultés aussi pour effectuer une démarche pareille, parce qu'il faut se rendre soi-même auprès des renseignements généraux. C'est une démarche très très difficile. Ouais, bah, vous nous raconterez ça en détail tout à l'heure. Et James est à vos côtés. Bonsoir James. Bonsoir. Welcome. Vous étiez ce qu'on peut appeler un gros joueur. Un flambeur même. Oui. Un flambeur, dites-vous. Vous avez un record à votre actif dont vous êtes assez fier. 8 jours et 8 nuits de suite. Sans quitter le casino à Las Vegas, enfin une heure par toutes les 24 heures. Une heure par jour pour me faire masser un peu. Ouais. Et vous teniez avec quel produit? Non, sans produit. Ah bon, uniquement café au lait et pain de cake. Ah oui, d'accord. Très ricain, très américain. Tranquille. Très bien, merci James. Vous avez commencé à jouer à quel âge? 4 ans. Vous avez arrêté à quel âge? Je joue toujours. Vous jouez toujours? Je crois que vous aviez arrêté quand même les... Non, mais je ne joue plus au casino, je ne joue plus aux jeux que je jouais auparavant, c'est-à-dire le chemin de fer. Je ne joue qu'aux courses. Ah oui. Mais très modérément. Ah oui. Beaucoup moins qu'avant, quoi. C'est pour ça qu'il y a quand même une nuance. Ouais. Bien sûr. Vous êtes interdit de casino? Je suis interdit depuis l'âge de 23 ans. C'était hier. Mais interdit, ça veut dire que je ne pouvais plus jouer en France, sur le territoire français, ce qui m'obligeait à aller à Las Vegas ou à Monte Carlo ou à Ostende ou à Londres. Donc, c'est dur, hein? Non, pas dur, très bien. J'avais compris, oui. Christine, bonsoir. Vous avez commencé à jouer un peu plus tardivement que James. Et pourtant, vous êtes une joueuse assidue puisque vous jouez tous les jours. Tous les jours. Absolument tous les jours. Oui. Depuis maintenant 25 ans. quelle est la plus grosse somme que vous ayez gagnée en un seul soir? 1 million. De quoi? Au casino. 1 million de francs. Oui. Lourd. 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 Bien, nous parlons aussi de la convoitise et de la jalousie que connaissent ceux à qui la fortune sourit, ça vous est arrivé. C'est pas le quotidien quand même du joueur de cercle ou du joueur de casino. Non, enfin, je parle de choses différentes. Dans sa généralité. Mais c'est votre cas Jean-Marie, bonsoir. Bonsoir. En 95, vous avez eu la chance de gratter 3 TV au jeu du millionnaire. Attendez, et en 98, vous avez de nouveau gratté les 3 TV. Alors une fois c'est rare, deux fois c'est rarissime, trois fois c'est jamais arrivé. Ça arrivera. Mais vous y croyez? Oui, tout à fait. Ah, ouais. Et qu'est-ce qui vous fait croire ça? Qu'est-ce qui fait croire ça? L'instinct. Vous jouez à l'instinct, vous? Je ne vis qu'avec l'instinct. Je ne vis qu'à l'instinct. Vous ne vivez qu'à l'instinct? Tout à fait. On va passer aux autres invités dans un instant, ceux à qui nous avons consacré un reportage pour mieux éclairer notre sujet de ce soir et leur vie également. Mais avant ça, je vais vous présenter notre spectateur privilégié qui est présentateur écrivain. On peut le retrouver toutes les après-midi sur France 2 dans le cadre des Chiffres et des Lettres. Mesdames et messieurs, The Human Computer, voici Bertrand Renard. Voilà. À Bertrand. Bertrand, vous êtes joueur. Allô? Vous êtes joueur, évidemment, puisque vous jouez tous les après-midi sur France 2. Si, c'est une façon de jouer, quand même. C'est une façon de jouer, parce que pour le reste, je suis vraiment l'homme de la situation, je suis absolument pas joueur. Ah oui. Vous avez jamais joué un franc? Si, j'ai joué un franc, parce que pour savoir que je ne suis pas joueur, c'est un peu comme quand on fume une cigarette ou un joint, pour savoir quel effet ça fait. Et puis, c'est pas pour ça qu'on va devenir un fumeur. Il y a plein de non-fumeurs, donc j'ai essayé. Vous êtes comme Bill Clinton, vous n'avalez pas la fumée? Oui, voilà, exactement.
Donc, non, j'ai essayé pour savoir, mais c'est vrai que déjà les lieux, quand je suis entré, le seul casino où je suis entré, c'est le casino de Monte-Carlo. J'ai regardé l'architecture avant de regarder l'étape, parce que c'est très beau le casino de Monte-Carlo, ouais. C'est un édifice classé. Mais non, je ne joue pas, j'ai essayé, j'ai perdu modestement quelques sommes au blackjack ou aux machines à sous, mais je dois dire que les machines à sous, on appuie des manettes et on voit des barres, des cloches et des citrons qui apparaissent. Non, ça ne m'a pas du tout excité. Alors, je ne sais pas pourquoi je ne joue pas, et je pense que tout de même beaucoup de non-joueurs vont être très intéressés par cette émission pour savoir pourquoi ils ont échappé à ce qui semble une passion et ce qu'ils ont eu raison justement, ouais. Justement d'y échapper. Moi, je donne peut-être une raison. C'est vrai que quand je suis en déficit d'1,50 € sur mon compte en banque, je suis complètement paniqué. Ah ouais. Alors c'est peut-être ça, c'est peut-être cette espèce de peur de me retrouver dans une situation financière. Mais je ne suis pas sûr que ça soit ça qui motive nos joueurs, ils nous en parleront. Non, c'est effectivement plus complexe que ça. Il y a une autre chose que j'aimerais savoir, parce qu'on parle toujours de... Vous avez parlé, je crois, de la peur de perdre, on parle toujours de ça. Et du plaisir de perdre aussi. Hein. Et du plaisir de perdre, et de cette spirale, effectivement. Est-ce qu'il y a des joueurs qui, quand ils jouent, sont dans une situation positive, se disent de toute façon, je ne peux pas faire autrement que de gagner? Est-ce qu'il y a des joueurs qui sont d'un optimisme à tout craint? Vous êtes un optimiste Oui, moi je suis un optimiste parce que j'ai une certaine philosophie, à savoir que comme je suis issu d'un milieu très modeste et que j'ai démarré sans rien, tout ce que j'ai, c'est du bénéfice. Entendu, je vote maintenant nos invités à qui on a consacré un reportage. Vous intervenez quand vous voulez, Bertrand. C'est valable pour tous nos invités. Nadia et Francis, bonsoir. Bienvenue parmi nous. Bonsoir, Nadia et Francis, qui ont aussi également de très jolies... C'est beau, hein, il n'y a pas à dire. Je dirais bonjour à Claude-François Junior pour moi. Francis, vous avez arrêté de jouer il y a 2 mois. C'est encore très récent, vous êtes jeune pourtant. Vous avez 25 ans, ça ? 25, il y a 2 mois à la suite du départ de votre fiancée qui est à vos côtés. Nadia, vous suivez depuis les réunions de joueurs anonymes. C'est comme pour les alcooliques anonymes, quand on est accroché à quelque chose comme ça, il existe des associations où on peut se confier, discuter avec d'autres très gens. Rare. Très rares, mais qui connaissent le même problème. Ça vous aide vraiment, c'est ce que vous nous avez dit, pour essayer de décrocher du jeu. C'est une passion qui est assez récente pour vous, hein, au regard de ceux qui ont été traversés par le jeu durant toute une vie. Vous, c'est seulement quelques années. Oui, ça fait depuis... Pas d'une façon compulsive, mais je veux dire depuis l'âge de 18 ans que ça a commencé à devenir compulsif. Ça depuis 7 ans maintenant. Voilà. On va regarder un extrait du reportage qui vous est consacré. Et Nadia nous expliquera pourquoi elle a fait l'aller-retour chez vous. Elle est partie, elle est revenue, quoi, entre vendredi. Allons-y. Durant des années, Francis a joué à tout et a tout sacrifié pour le jeu. Depuis que j'ai 18 ans, je joue et j'en ai 25. J'ai claqué 500 000 francs français. Cela fait quelques semaines qu'il a décidé de sortir de cette spirale et cette brusque reconversion, il la doit à sa femme. Tu vas bien ? En fait, à l'époque, je ne comprenais même pas que ces coups de colère, que toutes ces frustrations qu'il ressentait parce qu'il perdait beaucoup au jeu, toutes ces frustrations que moi j'encaissais, cette agressivité qu'il avait vis-à-vis de moi, j'avais même pas compris que c'était dû au jeu. J'en pouvais plus parce que le jeu bouffait notre vie quotidienne. Pour un joueur compulsif, il lui faut un déclic. Et moi, le déclic, ça a été qu'elle m'a quitté. Et puis voilà, donc ça m'a permis de me dire que je pourrais jamais construire quelque chose. Et je crois qu'il n'y a qu'un joueur pour comprendre un autre joueur. J'espère que les autres vous comprendront ensuite, après cette émission. Et l'aspect compulsif dont vous parlez, c'est un aspect répétitif qu'on ne peut pas contrôler, quoi, hein, comme pour un trouble obsessionnel compulsif chez certains malades. À vos côtés, Guy Jourdan est notre invité. Bonsoir Guy. Vous aussi, vous êtes ferré par le jeu depuis quelques années à la suite d'un problème perso, enfin je veux dire... Un décès important. Un décès important autour de vous. Vous avez commencé au jeu au casino et vous êtes arrivé, ce qui est arrivé aux joueurs de Dostoevsky, c'est le premier soir, vous avez gagné, quoi. Oui, tout à fait. Combien ? 40 000 francs. Ah, 40 000 francs, ça c'est la patte du gain. Voir le jeu autrement. Tout à fait. Ouais. Est-ce que vous regrettez aujourd'hui d'avoir gagné autant la première fois ? Absolument.
Je regrette beaucoup parce que ça m'a donné la possibilité d'y aller, de redépenser l'argent que j'avais gagné et l'argent que je n'avais pas gagné, qui était mon argent à moi. Et de vous accrocher comme ça. Et oui, je pensais gagner encore. Et puis ce qu'il y a de pas inintéressant non plus, c'est que vous habitez Monte-Carlo. J'habite Monte-Carlo. À proximité du casino. Voici donc un extrait du reportage qui retrace 5 minutes de Monaco. Cet aspect de votre vie, l'aspect joueur. Je peux venir là maintenant? Ah ok, j'arrive alors. Ok, j'arrive. Ciao, à tout de suite. Guy est coiffeur à Monaco. Il est ce que l'on appelle un accro du jeu, un accro de tous les jeux, avec ou sans argent. J'aime pas perdre, moi. Ah, bah je me suis incartée, tiens. J'aime pas perdre, même si on joue pas d'argent, c'est qu'on a mal joué. Voilà, la partie s'est terminée. Et alors, qui a gagné? Bah c'est moi. Bah c'est lui. Je vais essayer de jouer ces 400 balles. Pas plus, parce que je peux pas plus. Mais je vais essayer de me refaire un petit peu. On verra après la suite de la soirée. Là, ça commence, l'adrénaline commence à monter. En plus de ça, je vais toucher une carte. Alors peut-être que ça portera bonheur, mais c'est d'habitude, on n'a pas le droit de les toucher. Ouais. C'est vrai, non, on n'a pas le droit de toucher les cartes. Un peu dérisoire, c'est 400 francs par rapport aux sommes que vous avez pu... Tout à fait dérisoire, je me sens même ridicule. Pour vous dire à quel point que ça m'énerve, parce que j'aurais pu jouer des sommes plus importantes, mais... N'écoutez pas, jouer. Monsieur, s'il vous plaît. J'en arriverai pas avec elle. Une ambiance particulière autour de table de blackjack, entre les joueurs notamment. On reviendra là-dessus, Guy, au cours de l'émission. À vos côtés, Fabien et Nathalie. Bonsoir Fabien, bonsoir Nathalie, bienvenue. Fabien, vous faites partie des joueurs, mais aussi de la grande famille des joueurs, notamment des joueurs de loto. Chaque semaine, vous dépensez 220 francs pour cocher vos 6 numéros. Et le 17 octobre 97, ce sont vos 6 numéros qui sont sortis. Le 18, oui. Le 18, pardon. Ouais, vous n'oublierez pas cette date. Combien vous avez gagné? 35 millions. Ouais. Ah, c'est pas mal, ouais. Depuis, votre vie a changé. La vôtre aussi, j'imagine, Nathalie, puisque vous êtes sa compagne. C'est ce qu'on va voir dans ce reportage de Jean-Marc Borde et de Jean-René Chaperon, qui ouvre donc notre discussion sur le jeu, sur l'aspect rose des choses, sur l'aspect rose des jeux. Et quand je dis rose, j'ai envie de dire aussi que je pèse ma couleur. Vous en saurez plus en voyant ce reportage, donc sur la vie de Fabien et Nathalie, depuis ce gain de 35 millions de francs. Je t'emmène au boulot. Sûrement, j'irai faire un petit tour au jeu. En attendant que tu finisses ton travail. Et malgré les 35 millions gagnés au loto, Fabien vit toujours chez Nathalie, dans une cité de Villejuif. Alors que lui a décidé de ne plus travailler, elle continue d'aller chaque matin à son bureau, où elle avait appris la bonne nouvelle. Tout à coup, le téléphone sonne et il y a quelqu'un qui me dit d'un air très pincé, « Nathalie, c'est pour toi, il paraît que c'est très urgent. » Donc je décroche et j'entends Fabien. Et je lui dis, « Mais qu'est-ce que tu veux? C'est sympa, non, d'appeler comme ça. Qu'est-ce qui t'arrive ?» Il me dit, j'ai gagné, Nathalie, j'ai gagné. Non, c'est pas vrai. Si, tu as dit. J'ai dit un Parisien sous les mains. Non, on va faire chercher après, un Parisien. Non, tu m'as dit, Nathalie, j'ai gagné au loto, j'ai gagné. Et moi, très décontractée, je lui dis, relis tes numéros. 12 francs, chérie. Mais très, très, très doucement. Ne t'énerve pas, respire. Regarde bien tes numéros. Relis tes numéros. Il me dit les numéros, il y avait les numéros. Et je le sens complètement énervé et tout. Donc, il m'énerve à mon tour. Mais je me suis pas du tout rendu compte, mais vraiment pas. Moi, le seul truc que je me suis dit, putain, j'ai gagné ma liberté, quoi. Et ça, c'est unique. Ça, c'est vrai, c'est le premier truc. Ça, c'est truc unique. J'ai toujours dit, j'ai gagné ma liberté, je ne dois plus rien à personne, la société, m'en fous. Le matin, je vais dormir, je me réveille quand j'ai envie. Alors qu'avant, quand je travaillais, il fallait que je me réveille tout le temps, je savais que j'étais toujours en retard, et j'arrivais toujours en retard. On passait Avenue Foch et tout ça, on regardait les grandes maisons, pierres de taille et tout. Elle me dit, tu vois, nous, on est des ratés, on n'habitera jamais ici et tout ça, quoi. Tu vois, alors la voiture. De toute façon, je me rappellerai tout le temps là quand il l'a acheté la première fois. Il l'a acheté au magasin à côté d'où je travaille. Non, 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 non. On va la refermer. C'est ridicule. Non. On va la refermer. Non. On va la refermer. Fabien, vas-y, dépêche-toi, je suis en retard. On va la refermer au feu rouge. Non, c'est ridicule. Arrête, on a l'air idiot, j'aime pas ça, Fabien, referme ce truc. Oui, c'est pour ça, c'est pour ça. Non, mais c'est, je veux dire, n'importe quoi, il fait moins 12. On va revenir et stagtiser n'importe quoi.
Si Nathalie n'est pas une fana des belles voitures, Fabien, lui, les adore. Il s'est même offert un bolide à plus de 800 000 francs qui reste dans un garage parisien par peur des vols et des dégradations. Alors là, c'est ta deuxième voiture, Fabien. Ouais, ça c'est le petit bijou. Ça c'est ma bête noire parce qu'il m'arrive que des bricoles avec. Et ça, c'est la princesse. Sur la route, c'est pas pareil. Ciao. Travaille bien. Ramène beaucoup de sous. Fais comme moi. C'est la frime, Nathalie, d'arriver en au bout du boulot. Ouais, c'est vrai que c'est un peu la frime. Mais en même temps, ça fait chier. Ça fait chier des gens, donc moi ça m'éclate ça. J'aime faire chier les cons, ceux qui sont mon réseau, comme j'appelle ça. Eux ils savent comme je suis et bon à la limite ça les fait marrer. Les autres ça les emmerde vraiment quoi. Et alors ça c'est jouissif par contre. Ça fait plaisir ça. Avec une c'est différent des autres parce qu'on vous laisse la place, on vous laisse doubler. On veut être derrière vous, on veut être à côté de vous, on veut regarder la voiture. Même dans la rue, les gens, ils l'admirent, ils regardent, ils s'arrêtent, ils se branchent, ils me mettent un peu les mains partout, mais c'est pas grave, tant que c'est les mains. Mais bon, ça fait toujours des jaloux, et ça, c'est dommage, parce que moi, ça me dérange pas de payer une peinture neuve, quoi, mais bon, voir une rayée, ça fait mal au cœur quand même, quoi. Le plus important maintenant pour moi, c'est d'être clair avec les impôts. Ça, c'est dur. Ah ouais. J'ai payé 300 000 francs d'impôts sur l'ISF, comme ils disent. J'avais les larmes aux yeux, mais j'ai payé. Parce que 300 000 francs, quand je travaillais, ça faisait quand même 3 ans de salaire sans que je mange, sans que je bois, sans que j'ai une voiture. J'habite chez une copine, voilà, 3 ans de salaire. Avant d'être assujetti à l'impôt sur la fortune, Fabien était serveur dans un bar à vin du quartier latin où il retourne souvent pour passer le temps. Ah, Gérard. C'est pas possible. Gérard. Ouais. Vous êtes à moi, ça. Ici, il y en a pour toutes les bourses. Je fais un chèque, là. Vous en voulez un chèque? Vous en voulez un autre, Fabien? Ah oui, mais avec un peu plus de zéro cette fois-ci. Ça vous arrive souvent, monsieur, d'avoir dans ce serveur qui viennent en chez vous? Oui, en général, ici, le personnel gagne bien sa vie, oui. Ouais. Ah, il n'y a que les patrons qui restent. Comment il vous a annoncé qu'il avait gagné au loto? Par téléphone? Oui, il nous l'a dit par téléphone, et puis il y avait un bruit qui courait, que c'était un gars du quartier, après le cercle s'est rétréci, on a su que c'était un garçon de café, après on a su qu'il était d'ici, et on a compté les absents, il y avait que Fabien qui n'était pas là, donc on a dit c'est lui. Fabien s'est acheté deux grands appartements qu'il fait rénover dans les quartiers chics de Paris. Celui-ci, boulevard Haussmann, lui a coûté 2 millions de francs pour 90 mètres carrés. C'est lequel ton appart là? C'est là où il y a les volets fermés, je vais vous les ouvrir d'ailleurs, on va les ouvrir d'ici, c'est le dernier... Dernier volet roulant électronique sur le marché. Ah là, il y a bien 100 mètres là, 200 mètres. Ouais. Ça va s'ouvrir ça? On va essayer. On est beau si ça s'ouvre pas. Hein. Ah, je sais pas comment ça s'ouvre. Allez, hop. C'est bien, non? Alors les fenêtres, c'est des vitres anti-effraction et anti-bruit. Exposition plein sud. Oh, ça fait du bien, hein, un peu de chaleur. Qu'est-ce qu'on voit là d'ici alors? Alors vous avez la tour Montparnasse, la tour Eiffel, les toits de l'Opéra, même les toits de la Bourse. Quand j'y pense, j'ai des frissons parce que c'est à côté qu'ils jouent avec mon argent, que moi j'ai joué et gagné. Et aujourd'hui, ton argent qui est placé, il te rapporte combien alors par mois? Ah, ça doit encore me rapporter dans les 150 000 francs. Par mois? Ouais. Fabien a aussi placé une partie de sa fortune dans une boîte échangiste qu'il partage à 50-50 avec Alban Serey, que les amateurs de films X connaissent bien. Je ne présente pas M. Alban Serey à tout le monde. Tout le monde le connaît, il est connu mondialement.
C'est un des plus grands hardeurs français. Hardeur, donc, personne qui fait des films X, des films pornographiques. Mais ça fait 10 ans qu'il a arrêté le métier. Donc pour continuer à vivre ou à survivre, il s'est monté une boîte qui s'appelle Le Clos. C'est un bar, un restaurant, un club où les gens adultes viennent, ils mangent, ils discutent, connaissent d'autres personnes adultes. Et en fin de soirée, s'ils sont bien entre eux, ils peuvent descendre dans les salons où ils discutent, où ils se caressent. Bon, après, on ne sait pas, on ne descend pas avec eux. Ils font ce qu'ils veulent. Ça ne nous regarde pas. Certains trouveront dans cette association quelque chose de curieux qui fait rêver tout le monde. Le cul fait rêver. L'argent toucher fait le rêver. Loto fait rêver. Alors, est-ce qu'il y a une morale dans tout ça? Je ne sais pas. Mais enfin, je trouve que c'est pas mal. C'est très compliqué. Mes derniers francs, je les ai misés sur Alban. J'espère que c'est un bon cheval. C'est beau, hein? C'est beau le bonheur. Il est heureux, non? Il a l'air heureux? Il est heureux? Il est heureuse, vous? Parfois, c'est dur. Ouais. Parfois, c'est dur. Qu'est-ce qui est dur? Bah, c'est dur déjà de vivre avec un joueur, parce que là c'est le beau côté, là c'est un an et demi, mais au-delà de ça, il y a 9 ans de vie et 9 ans de jeu quand même. Ah, avant le gain? Avant le gain. Il n'y avait pas seulement 220 francs par semaine au loto, si vous voulez dire? Ah, non, il n'y avait pas ça, non. Il y avait tout, il y avait les courses, où j'ai perdu les derniers cheveux sur la tête. Ça va, vous voulez me faire pleurer, vous n'y arriverez pas de toute façon. Non mais bon, j'ai gagné là où je m'attendais le moins, quoi. Ouais. J'ai jamais pensé gagner un jour loto et j'étais même pas au courant. Je me suis rendu compte 3 jours après, et ça tout simplement parce que je voulais payer mon café, et le ticket de loto est sorti de mon porte-monnaie, j'ai dit bon, on va encaisser 36 francs. Et... Quand on pense à la personne qui n'a pas été chercher ses 45 millions, là, qui a dû... Oui, parce que non, moi je me dis, c'est une vieille dame qui a égaré son ticket, ou un touriste qui a joué comme ça, qui est parti chez lui. Bah, vous-même, vous avez failli égarer le vôtre, alors c'est possible, ça peut arriver à tout le monde. Non, parce que le soir, quand j'ai dormi au Ritz, j'ai mis dans un coffre-fort et j'avais peur. Le lendemain matin, je réveille, je cherchais les clés du coffre. Ouais, enfin, vous saviez à ce moment-là déjà que vous aviez gagné. Alors, parlez-nous justement des sensations que ça représente. D'abord, quand le buraliste vous fait savoir que vous avez gagné, vous ne le saviez pas, et ensuite, quand la Française des Jeux vous reçoit. Le mercredi, le ticket du mercredi, je vais voir donc le ticket du mercredi avec le numéro du samedi, comme c'est le même ticket. Et sur la quatrième ligne, j'ai bien vu que j'avais les 6 bons numéros. Alors, je n'osais plus regarder combien de gagnants il y avait aux 6 bons numéros. Le montant, je pensais que c'était 3 500 000, et quand j'ai bien regardé, c'était 10 fois plus. Quoi. Ouais. Il y avait combien de gagnants? Un seul. Et j'étais toujours le premier à dire, pourquoi ils ne font pas gagner 10 personnes 3 millions au lieu de faire gagner une personne 30 millions? Ce jour-là, j'ai rien dit. Est-ce que vous avez le sentiment de posséder tout ce qu'un homme peut rêver de posséder? Non. Je pense que le bonheur, c'est pas les jeux, quoi. Parce que, bon, j'ai gagné une somme importante. Je pensais pas gagner une somme importante, mais je pense à tous les joueurs qui jouent du matin au soir, qui traînent dans les PMU, dans les salles de jeu, et qui sont là-dedans, qui mettent tout, quoi. Ils mettent leur vie en péril. C'est pas une bonne chose d'être un joueur. Vous n'êtes pas passé loin de tout ça, vous pensez? Ben, j'en avais marre. Parce que quand je suis arrivé à Paris à l'âge de 18 ans, je suis venu avec 300 francs, j'avais pas trop le choix. J'ai travaillé avec des gens qui m'ont appris les courses. Après les courses, c'était les cercles. Et moi, pour mon plaisir, je jouais l'auto sans penser gagner au loto. Mmh. J'ai voulu gagner au quintet, j'ai jamais gagné au quintet. Vous jouez encore au quintet? Le PMU, c'est pas ça. Vous êtes à quoi? Je joue encore les bons tuyaux dans les courses, mais les bons tuyaux, la plupart du temps, le cheval il vient pour gagner, c'est toujours, il y a une faute, ou alors c'est un sulky qui casse, ou alors c'est le jockey qui met le cheval à la faute. Ouais. Passe au galop. Voilà. C'est les bons tuyaux. D'accord. Non, mais quand vous avez un bon tuyau, vous savez que le cheval il va gagner, il vient dans le dernier tournant, il se met à la faute. Vous avez 2-3 000 francs qui est parti comme ça, en un instant, 3 secondes. Vous avez l'impression d'être un pigeon dans ce cas-là? Oui, avec le PMU, ouais, je pense que tout est truqué. Quoi. Et vous jouez encore? Oui. Je joue les tuyaux, parce que ça marche. Les tuyaux percés, les bons tuyaux de Guy. Ouais. Quand on vous demande quel est votre métier, vous répondez quoi maintenant? Ben, ça m'arrive de dire que la voiture n'est pas à moi, que c'est à mon patron, quand je sens que c'est chaud. Sinon, ben non, je dis sans profession, ou alors je dis rentier. Parce que... Millionnaire. Serveur. Nathalie, qu'est-ce qui a changé finalement dans le regard des autres sur lui, sur vous deux? Tout a changé. C'est passer d'une vie
difficile parce que on avait quand même quelques problèmes financiers. À tout à coup, effectivement, plus de problèmes financiers, mais une masse d'autres problèmes. Et puis. Lesquels ? Alors, tout à coup, moi, je n'ai pas pu le ressentir comme Fabien. Moi, j'ai tout vécu au travers de lui. Tout à coup, on se dit, bon, tout est chamboulé, c'est pas grave. Alors moi, je vais lui prouver que je suis là, que je suis solide et qu'on va continuer. Et on a quelqu'un à côté qui voit tellement les autres changer parce que tout à coup, on est le meilleur ami de tout le monde, parce que tout à coup, on évolue, on rencontre des gens qui vous regardaient pas et qui... Mais si, mais tu te rappelles, mais on s'est vu il y a pas longtemps. Enfin, bon, ça devient tout et n'importe quoi. Et on vous cire les pompes, vous devez connaître ça mieux que nous, et on vous flatte, et c'est génial. Pas assez. Ouais. Vous avez continué de travailler. Vous continuez de travailler. On l'a vu, Fabien a décidé d'arrêter. Est-ce que vous pensez que c'est un bon choix ? On ne m'a pas laissé le choix. Hein. Non, je pense ouais, que... Le patron a dit, laisse ta place à quelqu'un qui si vous voulez trouver une place de serveur, il y aura une chance laisse pour ta que vous place la trouvez. Laisse ta place, c'est ridicule que tu passes le balai ou que tu montes les terrasses. Fabien, si vous vouliez travailler, vous pourriez travailler. Oui, ouais. Oui, j'ai pas peur de travailler. Je viens d'une famille assez pauvre. Non, vous n'avez pas peur du travail, mais vous ne travaillez plus. Si, j'essaie de me motiver. Non, il ne le ferait pas. Il ne le ferait pas ? Non, il ne le ferait pas parce que... C'est... Non, il ne le ferait pas parce que... Je... Vous n'êtes pas d'accord, là. Non, mais pas parce qu'il ne veut pas travailler, mais tout simplement parce que... Travailler en dilettante, oui. Fabien, aujourd'hui, il prend le bon, mais ça, on ne peut pas lui en vouloir. Tout le monde ferait ça. Et pourquoi vous n'avez pas arrêté, vous, pour rester justement cet élément de stabilité dont vous parliez ? Déjà, il y a ça, et puis pour me préserver aussi, peut-être, parce qu'on n'est pas mariés, parce que... Ouais, non, mais. Je pars avec Cindy Crawford au collège. Oui, bah oui, tout à coup, on se dit. Elle était déjà prise. Une fois d'accord. Tout à coup. Aussi, je peux faire un coup de magie. J'étais pas d'accord. Tout à coup, on se dit bon, Nathalie, c'est bien gentil, mais maintenant, il a une Ferrari, il a une. Bon. C'est sûr que si jamais il croise. L'amour. 1m80, ça. Qu'est-ce qu'elle devient, Nathalie Germain, maintenant? Vos collègues de bureau, Nathalie. La question était esquissée par Jean-Marc. Vos collègues de bureau, parlons de ceux qui sont dans votre réseau, pour reprendre vos mots. Qu'est-ce qui vous demande ? En fait, il y a les gens que j'aime bien qui sont peu nombreux. Il y a les gens que j'aime bien qui me connaissent. Ouais. Et il y a les autres. Ouais. Bon, ceux que j'aime bien et qui me connaissent, ça les fait marrer parce que justement, de toute façon, on voit comment je suis habillée pour l'émission. Je m'en fous complètement et voilà. Je suis pas coiffée, c'est comme ça, quoi. Ah bon, je suis un peu comme... Ah non, mais là, ce soir, c'est assez particulier, là. Ouais. C'est... Il y a un petit côté, Wacha, Santa Barbara. Voilà. J'ai le même coiffeur que vous ce soir. Je serais voit. Flattée en plus. Moi j'ai moins de cheveux, c'est pour ça. Et puis c'est vrai que bon, c'est vrai que je le dis un peu avec des mots un peu crus, mais c'est tellement la vérité. Je veux dire, ceux qui tout à coup, ça se voit sur leur visage, ils en crèvent. Bon, ben, ces gens-là, oui, ça me fait plaisir d'arriver en Ferrari devant eux et de claquer négligemment la porte, en fait, avec des dents. Doucement la porte, hein, doucement, vous énervez pas, Fabien. Je voulais le dire à vos collègues, parce que il y en a, je sais pas lequel, mais il y en a un qui est sorti, il m'a claqué la porte comme si c'était une deux chevaux, je dis, oula. On lui fera passer le message. En attendant, vous avez le droit, visiblement. Vous avez le droit. Comment vous occupez vos journées, Fabien ? Vos nuits, si vous voulez commencer par vos nuits. Non, je joue pas. En ce moment, j'ai pas le temps. J'essaie de courir après les architectes, Duclos, de mes maisons. J'ai payé, mais l'argent a disparu. Les travaux et les interlocuteurs n'ont pas été payés. C'est pas plus facile. La vie n'est pas plus facile parce que tu as d'autres soucis. Avant, c'était des petits soucis, donc j'avais rien, je risquais de rien perdre. Maintenant. C'est des gros soucis. Voilà, c'est des gros soucis. Et la nuit, c'est dur, hein, parfois. J'aimerais dire juste une chose, c'est que c'est vrai qu'on se rend compte tout à coup qu'on n'a plus confiance en rien, même pas en soi. La vie, elle change complètement. Ouais. Alors, c'est vrai, le banquier appelle plus, on a ce qu'on veut, mais on se rend compte qu'on n'est rien, on n'a plus confiance en personne. Et ça, c'est dur à vivre. Il faut toujours recentrer les choses, toujours recentrer les choses. C'est à l'intérieur que ça ne va pas, en fait. Vous rigolez autant qu'avant, quand même ? Parce que là, vous écoutez, on dit... Ouais, mais tout coûte plus cher, quoi. Dentiste, il m'avait promis même de rigoler, faire... Même rigoler ? Ouais, même rigoler, ça coûte plus cher. Parce que je rigole avec les dents des autres, mais... Mon dentiste, j'étais pauvre. Je devais me faire faire des dents à 4 000 francs la dent.
Le jour au lendemain où il a appris, parce qu'il était du quartier aussi, le jour au lendemain où il a appris que j'avais gagné au loto, ouais. Les dents de 4 000 sont passées à 8 000, quoi. Ouais. J'ai payé les 4 000 des dents, mais les 8 000, je ne suis pas prêt de les payer. C'est comme les médecins chinois, il faut payer en fonction des moyens de chacun, quoi. Non, mais tout change, mais ouais. Bon, je fais avec. Bon. Vous regrettez pas, parce que c'est limite à vous entendre. Hein. Non. Parce que vous pouvez rendre l'argent, non, hein, si vous voulez. Non, parce qu'on voit dans le reportage, quelque chose de très léger, en fait. Ouais. C'est vrai que ça l'est quelque part, mais tout n'est pas léger. Tout n'est pas léger à vivre au quotidien. Ça c'est pas vrai, il faut quand même le dire. Vous qui connaissez des hauts et des bas, tous les joueurs qui sont là, est-ce que le fait de gagner 35 millions, vous avez l'impression que ça vous aurait soigné avant même de contacter les joueurs anonymes? Non, moi, en étant joueur compulsif, c'est limite, quoi. Isabelle, ça vous ferait arrêter, vous pensez? Christine, gagner 35 millions. Moi, pas du tout, parce que d'abord, pas du gain, moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pour vivre une vie, la vie ordinaire de tous les jours m'ennuierait profondément. Moi, je ne sais pas ce que c'est de vivre, si vous voulez, au quotidien. Donc, par conséquent, quand j'entends Fabien, oui, j'aurais tendance aussi à prendre des belles voitures, tout ça. Moi, j'aime m'habiller, j'aime les bijoux, moi, j'aime claquer l'argent. Moi, j'ai aucun respect pour l'argent. J'ai énormément de respect pour les gens qui le gagnent. Je suis très généreuse avec le personnel, quand je sors. Mais il est évident que je ne vois pas du tout la vie comme ça. Moi, j'ai des hauts et des bas terribles. Mais il y a une banque qui est très pratique en France, quand on a un petit peu de bijoux ou autre chose. Ça s'appelle le clou. Donc, moi, je vais chez ma tante. Chez ma tante, ouais. Voilà, régulièrement. Je vais mettre mes bijoux. Quand j'ai regagné, je les reprends. Mais je flambe. Moi, j'ai un besoin de toucher, de vivre, de faire des palaces. Sinon, moi, je reste vivre chez moi. Comprenez? Mais vous êtes arrivé de dépasser la ligne rouge et de oh, vous mettre dans le rouge? Mon banquier, moi, m'appelle régulièrement. Ça, c'est certain. Et, mais... Vous ne savez pas vous arrêter, quoi? Ah ben, non, il faut que je vive. Hein. Je ne saurais pas ce que c'est de m'arrêter. C'est-à-dire que je ne suis pas une accro. Je sais que je vais jouer. Donc, peu importe l'heure, peu importe le temps, mais je vais jouer tous les jours. Vous allez jouer après l'émission, Christine, ce soir, par exemple? Ah oui, bien sûr. Vous avez joué avant, déjà? Non, exceptionnellement, non, j'ai pas eu le temps, exceptionnellement. James, je vous pose pas la question, parce que vous avez gagné des millions et des millions, mais ouais. Si vous avez gagné 35 millions, vous auriez été raisonnable, 35 d'un coup? Et pas du tout. Non? Pas du tout, parce que l'objectif, c'est de prendre son plaisir, de vivre intensément, de faire comme on vient de le dire, c'est-à-dire de dépenser l'argent. Parce que au départ, quand j'étais très jeune, comme je n'avais pas du tout d'argent, je pensais que le bonheur, c'était d'en avoir. Et j'ai eu la chance par un fait de mon travail, c'est-à-dire que j'ai créé une grande discothèque quand j'avais 22 ans, qui m'a permis de gagner énormément d'argent, c'est-à-dire que je gagnais 10 000 francs par jour en 65. J'avais créé le bus Palladium, ce qui correspond à 100 000 francs par jour maintenant. Ouais, à peu près, ça. Et je me suis... 25 millions par an, quoi. Oui. Je me suis aperçu que ce que je pensais être le bonheur, c'est-à-dire d'avoir un appartement à Neuilly, parce que moi je suis d'Agnières, vous voyez, je vivais dans un petit deux pièces, mon père était un petit tailleur à Agnières, on manquait de rien, mais on comptait quand même. Mais je me suis aperçu que j'avais les moyens de m'acheter ma Rolls, de m'acheter, non pas de Ferrari, parce que je ne savais pas conduire, donc j'ai acheté une Rolls pour avoir un chauffeur, bien sûr. Et je me suis acheté un très bel appartement à Neuilly, parce que je pensais que ça faisait bien. Et puis... Qu'est-ce qui vous reste de tout ça aujourd'hui? Ben, il me reste de bons souvenirs, mais je vis toujours bien. Hein. Mais il vous reste l'appartement, la Rolls, le chauffeur? Non, j'ai plus rien. Ouais. J'ai plus rien, mais enfin, je vis bien. D'accord. question maintenant à Jean-Marie, qui fait partie aussi des joueurs chanceux. Vous avez gagné deux fois de suite au millionnaire, enfin pas deux semaines de suite, mais avec quelques mois d'écart quand même. Combien vous avez gagné au total? 1,5 million. C'est-à-dire 1 500 000, 150 millions. Bien compris, enfin, ancien. Bon, on parlera en euros, donc on ne peut pas passer au franc moderne. Ouais, hein, enfin, je ne vais pas parler en euros, je ne vais pas traduire. Donc 1,5 million en deux fois, vous les avez gagnés de quelle manière? 1 million et 500 000 francs. Donc la prochaine fois, c'est 250 000? Non. 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 On va viser peut-être le million. Oui. Vous affirmez que vos gains sont toujours, comment dire, annoncés par un pressentiment. Tout à fait. Comment vous le ressentez, ces choses-là? Alors... Qu'est-ce que vous ressentez? On peut pas, je ne peux pas le décrire, ce que je ressens. Mais moi, j'y crois pas du tout. Pour moi, c'est du pipeau total, ce que vous dites. C'est pas grave. Ouais. C'est pas important. Non, mais essayez de nous convaincre quand même. Je n'arrive pas à croire qu'on puisse avoir le pressentiment que tel ticket va nous faire gagner. Non, attention, je ne choisis pas mon ticket.
Je rentre dans un bureau de tabac ou je rentre dans à la Française des Jeux. Ouais. Et je prends un jeu, deux jeux, trois jeux s'il le faut. Et c'est tout. Parce que vous avez senti une impulsion ce jour-là? Oui, il y a... Je crois que tout... Racontez-nous les fois où vous avez gagné. Peut-être la deuxième fois qui est peut-être encore plus rigolo que la première. Mais... Bon, la deuxième fois. J'étais sur Tours et je partais sur Arbois, dans le Jura. J'avais un entretien d'embauche, un samedi, en début juillet. Et le lundi, j'avais un rendez-vous sur Grenoble, toujours pour un entretien d'embauche. Un samedi, je suis à Arbois. Je vais à mon entretien et je me trompe de route pour aller sur Grenoble. Je me suis complètement trompé de route, j'étais en moto. Je me suis arrêté à Champagnole, un petit village. Décidé de dormir là-bas. Et le matin, au réveil, j'ai fait le tour du village. Je suis passé devant un bureau de tabac ouvert, devant un deuxième bureau de tabac ouvert, devant un troisième bureau de tabac ouvert. Je suis rentré, j'ai pris un millionnaire avec trois télés. Et pourquoi vous n'êtes pas arrêté au premier ou au deuxième alors? Parce que c'est l'instinct. Ah bon. Et je maintiens qu'en fait tout se gère en fonction de soi. Est-ce que les joueurs sont d'accord avec ça? Sur l'instinct? Off, non, pas du tout. Isabelle, oui, vous y croyez? Oui, l'instinct. Oui. Non. Pas du tout. Guy, non. Fabien, non plus. Il n'y a pas d'instinct. Mais quand on est un vrai joueur, il n'y a pas d'instinct. Mais justement, monsieur n'est pas vrai. Il dit pas que je ne suis pas. Je pense qu'il y a une partie de vrai parce qu'il m'est arrivé, mais dans une condition bien, bien spécifique, c'est-à-dire que j'avais tout perdu et j'étais complètement fauché. J'étais au casino de Monte-Carlo et je ne jouais pas à la roulette, mais. Pour passer un peu de temps, avant de sortir, je me suis arrêté à la table de roulette et j'ai bien visualisé la roulette et la bille qui tournait. J'ai dit un numéro et le numéro est sorti. Il m'est arrivé d'aller au casino de temps en temps, aux machines à sous. Vous avez senti la bonne machine? Je ne sais pas si on va dire que je sentais la machine. Je choisis une machine en fonction de... Je ne sais pas, en fonction de quelque chose. Et je suis gagnant. Je peux vous garantir que je suis un gagnant même aux machines à sous. Donnez-moi la recette alors. On perd toujours aux machines à sous. Hein. Comment? Toujours. Les machines à sous, on perd toujours. C'est un voleur avec un revolver qui vous pointe. Ce n'est pas... Parce que vous allez mettre 100 francs, il va vous faire gagner 40 francs, mais c'est votre argent que vous regagnez. À force de jouer les 40 francs et les 40% qui vous repayent, vous les reperdez. Vous les regardez tout le temps. Oui, mais j'ai quand même. Maintenant, c'est les boutons. Avant, c'était les bons dimanches. J'ai quand même appris une chose. C'est que dans les machines à sous, il est vrai que quand on en met, ouais. On gagne pas beaucoup. Si elle ne donne pas, c'est là où c'est important d'y aller. Je veux dire que je vais... Elle est en train de se remplir le ventre, la machine à sous. Justement, et quand vous passez après une personne, c'est là où c'est intéressant. Vous mettez 15 jours, moi, je préfère passer et 16e jour, on encaisse. Moi, je préfère passer après quand elle n'a pas donné. Moi, ouais. J'ai mis une fois, je crois que tu étais avec moi, on était au casino à Deauville, j'ai dû mettre 12 000 ou 14 000 francs dans la machine. Rien. Même pas 1000 francs. Une dame âgée passe après moi, elle fait juste 5 francs, et poum, 2000. C'est ce que je dis, c'est ce que je viens de dire. Bon, vous appelez ça de la chance ou de l'intuition ou de la voyance? Non, pas de voyance, mais non. Les deux. Chance et intuition. Chance et intuition. De toute façon, j'ai intuition. Une chance. J'ai une chance c'est nouveau alors. Vous avez gagné donc une brique la première fois au millionnaire, un million lourd. Qu'est devenu ce million? Oula, vous en avez fait? Plus rien. Ah, plus rien. J'étais avec... J'avais une amie. Que je connaissais depuis un moment déjà. Je la connaissais depuis 3 ans. On va rejoindre un peu quelque chose. Et elle avait des problèmes de sa propre société. Elle devait plus de 4 millions aux impôts. Avec une liquidation, etc. J'étais en train de monter une crêperie. Je l'ai embauchée. Essayez de la faire un peu synthétique. Synthétique. Ouais, mais j'ai l'habitude de parler assez long. Faites un exercice. Bon, on y va. Faites un exercice. Et en fin de compte, je lui ai fait une procuration sur mon compte. Ah bah voilà. Au bout de 9 mois, il y a eu 800 000 francs en moins. Voilà. Pendant 9 mois, vous n'avez même pas regardé votre compte? Non, en fait, je ne suis pas du tout... L'intuition. Je ne suis pas du tout... Comment je vais dire?
Je ne suis pas du tout fric. Vous avez gagné une seconde fois, donc on le disait en juillet dernier. Mm-hmm. Comment vous avez géré votre gain cette fois-ci? Bon, j'ai 300 000 francs qui sont bloqués sur une assurance capitalisation. Ouais. Je n'y touche pas. Mm. C'est des voleurs, vous avez raison. C'est pas grave. Pour l'instant, ils ne vont pas voler. Je n'y touche pas. Et le reste, j'en profite. Vous nous avez dit en préparant cette émission avoir promis à Philippe Risoli de revenir une troisième fois. Oui, alors... je le sens. Ah oui. Ah, ça y est. Ah, il faudra nous inviter. Est-ce que vous apportez un cadeau à Philippe Risoli à chaque fois que vous avez été au millionnaire? Non. Deux fois, il y a plusieurs joueurs qui ont gagné deux fois déjà. Vous êtes oui, pas tout seul. À fait. Et le record, c'est 1 600 000 francs. Donc vous espérez pouvoir. Et j'ai dit que je battrais les deux records. Avant quand? Engagez-vous ce soir. Il a le temps. Non, je ne m'engage pas ce soir. On ne peut pas attendre 50 ans, nous. Vous allez gagner avant combien de temps, à votre avis? Bon, je vais dire avant l'année, avant la fin de l'année. Ah oui, ouais. Avant l'an 2000. Tout à fait. On pourra vérifier. Hein, ah, mais il n'y a aucun problème. Tout ça est imprimé sur la bande. Et je le prouverai de toute façon. Claude Leroux est avec nous dans le public, c'est également un gagnant. Où êtes-vous? Bonsoir Claude. Bonjour. Bienvenue, vous avez gagné en mars 98 11 millions de francs. Oui. Au loto sportif. Oui. Hein, donc l'auto-foot. L'auto-foot. Alors je dis que pour... Anciennement l'auto-sportif. Ouais. Ah oui, d'accord. Donc je dis que pour nos spectatrices, peut-être que c'est un jeu où, en fait, où on pronostique sur le résultat de foot. Voilà, oui. Vous pensez que c'est le talent ou que c'est la chance qui vous a fait gagner? C'est le talent. Ouais, yes. Ok. Vous jouez encore? Oui. Et vous gagnez toujours? Oui. Beaucoup? Non. Moins qu'avant. Que sont devenus ces 11 millions? Ben, j'ai refait ma maison, entièrement. Elle n'avait besoin. Pour combien de francs? Comment? Pour combien? 720 000 francs. Ouais. J'ai acheté une voiture aux trois gamins, parce que j'ai trois enfants. Je me suis payé une voiture. Yes. Pas une Ferrari, bien sûr, mais je me suis payé une voiture. Vous auriez pu vous payer une Ferrari, vous avez les moyens? Ça me plaît pas. C'est-à-dire? J'aime mieux les petites voitures, c'est mieux. Ouais. On passe l'inaperçu. Donc c'est fait qu'il vous reste quand même... quoi, il me reste encore beaucoup d'argent. Mais... 9-10 millions, quoi. À peu près, oui. Oui. Mais je vais placer l'argent, je veux que mes gamins en profitent, pas quand je serai mort, tout de suite. Donc je vais les installer. Et après, on verra. Qu'est-ce que vous faisiez comme travail? Cariste. Et maintenant? Cariste. Ah, vous avez pas voulu arrêter de bosser, non. Vous? Pourquoi faire? Je vais faire comme... Comme Fabien, non? Je veux garder mon équilibre. En travaillant, je garde mon équilibre. Et au travail, vos collègues, ils comprennent pourquoi vous n'arrêtez pas plus tôt? Oh, il y en a qui comprennent, il y en a qui comprennent pas, mais ça, je m'en fous. Oui. Ah. Qu'est-ce qu'ils disent? Ce qu'ils disent? Bah, ceux qui comprennent, ils sont d'accord avec moi. Donc, j'ai pas dit... Allez-y, Claude. Et ceux qui comprennent pas, bah, tant pis pour eux, je ne veux pas me casser la tête et l'expliquer. Nathalie, qu'est-ce que vous pensez de cette façon de gérer son petit capital? Moi, je comprends tout à fait, je comprends tout à fait ça. Parce que c'est vrai que, comme le disait la dame, il y a un certain panache et ça peut faire rêver, effectivement, de côtoyer les palaces. Et puis, mais je ne supporterais pas d'aller porter un bijou au clou, moi. Ouais. Je veux dire, ça c'est un... après, c'est un choix de vie, qui est tout à fait, je veux dire, bon, c'est chacun. Claquer, hein, mais je veux dire, c'est, si j'ai quelque chose, si je sais pas, le je but... Je suis pas matérialiste. Moi, j'ai... Je suis pas matérialiste, et si je jouais au loto, ça serait vraiment pour une amélioration de vie encore plus que ce que je possède. Si demain, j'ai pas 10 francs, ça n'a pas d'importance. Vos enfants sont élevés et vous êtes responsable. Oui, mais mes enfants, si eux, demain, ont envie de faire autre chose ou s'ils ont envie de jouer, je ne leur souhaite pas, évidemment, parce que ça détruit, en dehors du portefeuille, ça détruit aussi la santé physique. Moi, c'est vraiment mon plaisir. Et mon plaisir, c'est l'appât du gain, c'est de flamber. Je suis une vraie flambeuse. Ça, mais c'est pas... C'est typique des joueurs, ça. Parce qu'en même temps, madame dit qu'elle n'est pas matérialiste et je veux bien la croire. Mais oui, alors, pourquoi l'appât du gain? Ouais. L'appât du gain, c'est pour ce que vous disiez, mademoiselle, tous les joueurs disent ça, c'est-à-dire. Mais oui, ils n'ont aucun respect pour l'argent. Alors, ils se prétendent ne pas être matérialistes, mais en fait, ils détruisent tout autour d'eux. Ouais. Et il n'y a aucun respect, ni pour les autres. Vous détruisez les gens, j'ai détruit vos qui proches.
Non, pas du tout. Mes enfants sont excessivement... Mais vous n'avez rien de constructif. Mais moi, vous savez, je ne vis pas pour se retrouver demain. Avec 10 francs, aller au clou, je ne trouve pas ça très, très respectueux déjà de soi-même. Ouais, mais pourquoi mais vous en parlez comme si c'était un plaisir. Exactement. Il y a toujours une compensation. Il y a des bons moments et des mauvais moments. Moi, je peux vous dire que j'ai eu des moments fabuleux dans ma vie. Et derrière, oui, non, mais c'est auto-décidé. Mais moi, je ne pense pas déjà au demain. Le lendemain ne m'intéresse pas. Mais alors, vous êtes pas quelqu'un responsable. Je peux vous dire que je me sens très responsable. Mes enfants sont, je pense, très équilibrés. Justement, peut-être dans mon déséquilibre du joueur, mes enfants sont excessivement équilibrés puisqu'ils travaillent. Moi, je vais vous dire, à une époque de ma vie, j'étais avec quelqu'un. Évidemment, ça m'arrive de temps en temps d'avoir le temps. Ça vous excite autant que le jeu ? Non, non. Non, non, c'est pour ça que régulièrement, non, non, pas du tout. Je trouve qu'un homme... Mais c'est triste. Mais c'est pas triste si je me sens bien. Après le jeu. Mais pourquoi voulez-vous? Si je me sens bien, c'est mon plaisir. Moi, je vous dis pas, madame... Mais si quelqu'un vous aime, et puis... Eh bien, tant pis, il m'a aimé, on s'aime plus, on se dit au revoir. Mais non, mais c'est lui qui continue à vous aimer. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est le risque de l'amour. Moi, l'amour, pour moi, c'est capricieux. Le jeu l'est aussi, mais je trouve que le jeu, je m'amuse plus, c'est que le jeu. Après le jeu. Mais je crois qu'il est important. Vous êtes passé après le jeu, vous, clairement, là, quand vous parlez. Oui, oui, non, mais c'est pour ça, madame, elle reste très frustrée de ça. Vous êtes frustrée? Donc, je peux le comprendre. Non, frustrée, non, pas frustrée, je pense pas. Peut-être un peu touchée. J'étais avec des joueurs, j'ai très bien compris. Je connais. Si vous voulez, on peut rapprocher les sièges. Moi, hein, j'ai changé par amour, tandis que vous, vous n'avez pas changé. Mais pourquoi voulez-vous que je change? Parce que vous êtes bien, vous flambez tout. Je me sens bien. Moi, si j'ai envie de rentrer à 7 h du matin, c'est mon problème. Si j'ai envie. Mais le jour où vous n'aurez plus de pognon, qu'est-ce que vous allez faire? Elle va en trouver, elle va en voler. Elle va aller en voler. Non. Qu'est-ce qu'elle va faire? Voilà, il y a un monsieur qui est joueur. Qu'est-ce qu'elle va aller faire? Elle va aller vendre son corps. Qu'est-ce qu'elle va faire le jour où elle aura plus de pognon? D'abord, vous êtes mal placé pour en parler. Oh, ça se discute, doucement. Allez-y, attendez, attendez. Allez-y. Non, mais je veux dire, pour en terminer. Doucement avec les gens, doucement avec les dames en particulier. Sans problème. Sans problème, mais je veux dire simplement. Tout à fait d'accord avec vous. Je peux terminer? Non, je vous en prie. Non, d'accord. Je vous en prie, j'adore. Je vous en prie, non. Je vous laisse la politesse. Merci. Je vous laisse. Eh bien, je vais vous dire, je crois que vous avez tout à fait raison et je ne suis pas ici et je ne pense pas que mon ami est là également pour faire l'apologie. C'est votre ami, vous connaissez? Oui. Nous nous connaissons depuis très très longtemps. Mais cela dit, il faut quand même que vous sachiez une chose, c'est que le jeu vous apporte des moments très négatifs, mais en ce qui me concerne et en ce qui concerne également mon ami, eh bien, il a aiguisé une certaine ambition, une certaine qualité de vie, une certaine aspiration que nous n'aurions pas eue. Moi, je ne sais pas. Mais nous, nous continuons. Avec mes gains, donc, vous vivez que pour le jeu. Ils en parlent avec un tel plaisir, comme si c'était quelque chose de fabuleux. Mais ça détruit des vies en tout. Mais c'est fabuleux, vous savez que vous n'avez pas 12 heures de... Vous avez 12 heures d'amour avec un homme, vous? Mais non, non, non. Non, je peux vous dire que ça, moi, je voudrais qu'on me le présente. À ce moment-là, effectivement, peut-être je me remettrai en question. Je comprends tout à fait que vous ayez des hobbies, et je trouve ça très, très bien. Non, mais c'est pas un hobby du tout, j'appelle pas ça. Non, moi j'appelle ça... Laissez-la. C'est une obsession, c'est pire. Ah, mais pas du tout. Ce que je vous reproche, c'est de détruire les gens autour de vous. Mais je ne détruis personne. Et ça, vous vous en rendez pas compte. Mais je ne détruis personne, puisque je vais dans des endroits où il y a déjà des joueurs. Donc mais je vous ne êtes pas essayer de les pervertir. Allez, on va vous laisser vous reposer deux secondes. On va passer à un reportage qu'on a à vous proposer. Si ça chauffe pendant, on vous fera un petit résumé après. Guy, on va partir chez vous, tout près de Monte-Carlo. D'abord, une question à propos des gains de Claude, de Fabien. Ils ont de la chance. Pour vous, c'est de la chance. J'aurais bien aimé que ça m'arrive à moi, quand même. D'accord, on s'éclaire comme ça. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de remporter des grosses sommes dans vos virées au casino? Tout à fait, oui. Combien une soirée? 370 000 francs. Français? Oui, tout à fait français. À quel jeu? Au Blackjack. Ce qu'on appelle le 21, pour ceux qui... Je n'ai jamais rien gagné, jamais. Parce que vous ne savez peut-être pas jouer. Non, mais jusqu'au bonjour. Non, mais rigolez pas. Il n'a jamais rien gagné. Allez, jour, j'ai gagné. Ça rattrape le retard. Je disais, bon Dieu, je regardais le ciel. Je dis, mais je suis gentil avec tout le monde. La paye que j'ai, je le donne un peu à gauche, un peu à droite, un peu à ma petite fille que j'embrasse très fort. Mais je me dis, pourquoi le bon Dieu ne veut pas que je gagne? Je joue l'auto toutes les semaines, même pas trois numéros, alors que le gars, il fait un multiple avec 8 chiffres, il touche. Moi, je fais que des 6 numéros pour 220 francs. Avec tous les combinaisons que je fais, je ne touchais même pas 3 numéros. Et vous avez gagné. Et je ne gagnais même pas dans les cercles, ni au poker, ni au chemin de fer. Vous avez gagné, réveillez-vous. Si, je gagnais des engueulades. Parce qu'à 2h du matin, je rentrais sur la pointe des pieds, lui piquer sa carte bleue, aller retirer 2000 francs parce qu'il ne me restait plus rien.
J'allais au cercle, je perdais, je revenais, je repiquais sa carte bleue, retirais 2000 francs. Le matin, quand j'arrivais dans le lit, je bouillonnais, quoi. Et ça va, chérie Ça a été le côté, je vous ai dit... Ah, je vois, je l'ai aperçu, et bon, voilà. C'est très mal allé. Non, mais ça, c'est... Il est désintoxiqué, maintenant? Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Moi, je cours après le jeu. Non, j'ai toujours été un petit joueur, moi. J'ai jamais couru après les jeux. 5 millions de francs, mais si, je peux plus rien gagner, moi. Je sais, j'ai compris. Mais j'étais un petit joueur. J'ai jamais flambé 100 000, ni 50 000. Si, 50 000, ça m'est arrivé. Mais... deux, trois fois, hein. Mais j'ai jamais flambé ni 100 000, ni 1 million, ni 2 millions, quoi. C'est pas... Très j'ai pas les moyens. De toute façon, un joueur est très égoïste, mais il le fait pas. Il le fait pas pour détruire. Il le fait pas pour détruire. Parce que je suis sûre... Alors, évidemment, j'ai l'air de parler là comme un livre, c'est mais c'est pas le but. Mais je suis sûre qu'à l'époque où il prenait ma carte bleue et où c'était pas comme aujourd'hui, il était peut-être 1000 fois plus malheureux que moi, qui était pourtant très en colère. et je suis sûre qu'il en souffrait. Oui, c'est déjà. Bon, allez, on va regarder votre reportage avec Gilles Coudert et Sabrina Obadia, notre équipe qui vous ont suivi dans votre vie, que vous partagez donc entre votre salon de coiffure, oui, avec des clientes qui sont compréhensives et en tout cas très au courant de votre passion. Très bien. Ouais, et qui en parlent bien, on va le voir. Donc, votre vie entre votre salon de coiffure et votre passion du jeu. Ça se passe donc tout près de Monte-Carlo, dans le sud de la France. Allons-y. L'arrivée des courses, c'est... L'arrivée des courses, c'est quoi? As, 7, 2, 3, 5. Ah, donc on l'a pas gagné encore. Non. Bon, mais c'est pas pour aujourd'hui encore. Non, mais non, comme d'habitude. Guy réside à Monaco depuis plus de 15 ans. Patron d'un salon de coiffure, sa clientèle fidèle connaît parfaitement son penchant pour le jeu. Mon impression, c'est qu'il joue de plus en plus. Hein. À l'époque, il me semble que tu jouais moins, hein. Non? Oui, peut-être. Moins. Voilà. Parce que maintenant, ça devient dramatique maintenant. Voilà. Alors, c'est pour ça que j'en parle peut-être davantage. Tu as peut-être envie qu'on te conseille ou qu'on te raisonne. C'est-à-dire, je sais que c'est un tort de jouer de l'argent à quel que soit le jeu. Alors, la cliente avec qui j'en parle, souvent, elle me donne tort. Et j'ai horreur d'avoir tort. Ouais, peut-être. En fait. Mais tu arrives à te donner une limite par rapport à l'argent ou... Ben oui, du fait que j'en ai plus maintenant d'argent, vous voulez que je me donne une limite. Plus d'argent à cause du jeu? En partie. Et t'as toujours envie d'aller jouer? Oui. Alors comment je fais? Moi un peu. Difficile. Oui. Depuis qu'il joue, Guy estime à environ 3 millions la somme qu'il a perdue. Ah, pourquoi le bus? T'as pas de voiture? Non, ben non. Pas pour l'instant. Pourquoi? Bah parce que j'ai pas les moyens, j'ai plus les moyens d'acheter une voiture. Pourquoi ça? Parce que j'ai dû trop jouer. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Chaque jour, dans ce bureau de tabac, il dépense entre 50 et 100 francs. Là, je fais valider mes tickets de Keno et de Tac au Tac. Marc, il a l'habitude de mettre toujours les tickets à la poubelle. Regarde, les bons numéros. Là, c'est le rituel de la poubelle. Ouais. Désolé, jeune homme. Bonjour. Rien. C'est quoi? Rien du tout. Ça, c'est habituel. Hein. C'est souvent que c'est rien. Merci. J'ai tellement l'habitude de jouer à cet endroit que même si j'y vais pas moi, ils vont jouer quand même. C'est-à-dire que quand ils vous voient pas arriver, ils jouent? S'ils me voient pas pendant 2 mois, 3 mois, ils jouent moi, même si je paye pas. Ils jouent mes numéros même si je paye pas. Et après, je vais et je paye. Je peux venir là maintenant? Ah, ok, j'arrive alors. Ok, j'arrive. Ciao, à tout de suite. Oui, oui, oui. Comme chaque vendredi, Guy va faire une partie de Rami chez Mireille, une partie de cartes sans argent, simplement pour le plaisir du jeu. Moi, j'aimerais bien souvent le battre, mais bon, j'y arrive pas. Pourtant, je m'applique, hein. Je m'applique, mais ça veut pas venir. C'est à toi. Alors, c'est à moi? Oui, mais qu'est-ce que je dois faire? Je t'ai jeté le 10. Excuse-moi. J'aime pas perdre, moi. Ah, mais je me suis encartée, tiens. J'aime pas perdre, même si on joue pas d'argent, c'est qu'on a mal joué. Monsieur, quand il perd, bonjour, hein, il m'envoie sur les roses et tout. Et alors, une fois, j'ai dit, ben, si t'es pas content, je fais, c'est pas moi. En plus, c'était lui qui m'avait téléphoné pour venir jouer aux cartes. Ouais, ouais, ouais. Et j'ai dit, si t'es pas content, mets ta carte cassée, t'es pas chez toi. Il m'a planté les cartes là sur la table, il est parti. Tranquille. Ça, voilà. C'est l'amour. Et ça a côté. Duré un mois, hein. Ouais, et c'est... Un mois que j'ai plus voulu le voir ici. Et c'est le mauvais côté des joueurs, ça. Ben voilà, je donne ça.
J'ai tellement perdu au casino que il m'est arrivé de casser une machine à sous. De donner un coup de poing dans l'écran de la machine à sous, ça m'est arrivé de la casser. Mais là, c'est de l'argent, donc c'est encore plus fort. Et le directeur est venu me voir gentiment, il m'a dit « Vous savez, monsieur, on ne doit pas casser, on ne doit pas s'énerver. » Je lui ai dit « Vous savez, quand on a l'habitude de perdre, les pulsions, on ne les contrôle plus. Alors, excusez-moi, s'il faut la payer, la machine, je la paye. » Voilà, la partie s'est terminée. Et alors, qui a gagné? Ben, c'est moi. Ben, c'est lui. Eh bien, alors, amuse-toi bien et essaye de... Mais j'espère que j'aurai la même chance ce soir. Moitié-moitié? Oui, d'accord, ok. Ah. Chiche. Ah, tu vois, ça porte bonheur. Ciao, Mimi. Au casino de Monaco, il y a 15 jours, Guy a perdu 3000 francs. Depuis, il s'est fait interdire d'entrer. Quand le besoin de jouer est trop fort, c'est donc dans les casinos alentours qu'il va assouvir sa passion. Je vais essayer de jouer ces 400 balles. Pas plus, parce que je peux pas plus. Mais je vais essayer de me refaire un petit peu. On verra après la suite de la soirée. Là, ça commence, l'adrénaline commence à monter. En plus de ça, je vais toucher une carte. Alors peut-être que ça portera bonheur, parce que d'habitude, on n'a pas le droit de les toucher. C'est vrai, non, on n'a pas le droit de toucher les cartes. Santé et à ce qu'on peut gagner là. 400. C'est un peu dérisoire ces 400 francs par rapport aux sommes que j'ai pu. Tout à fait dérisoire, je me sens même ridicule. Pour vous dire à quel point que ça m'énerve, parce que j'aurais pu jouer des sommes plus importantes, mais. Mais c'est pas jouer. Monsieur, s'il vous plaît. J'en arriverai pas avec elle. Hein. Là, j'ai un peu remonté. Là, c'est déjà mieux. Là, déjà, je me sens plus soulagé. Là, déjà. Sur cette table de blackjack, la mise est de 50 francs. C'est la dernière. Et voilà. Et dans ces conditions-là, ça ne bouge pas. C'est fini pour vous maintenant, là, ça y est. Oui, si j'ai perdu ça, oui, bien sûr. On ne peut pas lutter contre des tirages de cartes comme ça. 19, 16. Allez. Voilà, c'est fini. Combien de temps ça dure? 5 minutes. Bonjour, monsieur. 5 minutes. Non, merci. Ben, j'y vais toute seule. J'en ai marre, je ne vais pas toucher un coup. Hein. On ne peut pas, c'est de l'excitation, l'envie, le jeu. L'énervement, là, je pense. Là, je suis dégoûté, là, quand même. Hein. Allez. Voilà, au portail de Sarbena. Vous avez un verre de champagne à la main, Guy. Qu'est-ce qu'il y a, Jess? Non, je comprends tout à fait ce genre de situation, je les ai vécues. Ce que recherche un joueur, c'est de pouvoir toujours avoir de quoi miser. Absolument. Qu'est-ce que ça représente l'argent pour un joueur alors? C'est que une mise ou c'est... Non, c'est pas une mise, c'est quelque chose. C'est vous l'argent. Continuez à bosser quand même, vous continuez à travailler donc, pour gagner de l'argent, oui, pas pour tout le plaisir. À fait. Ouais. Ben, je travaille et je prends l'argent de mon travail pour pouvoir aller jouer, pour pouvoir avoir le plaisir de faire ce que j'ai envie. Dans un cas de jeu, j'éprouve le plaisir. Ce qui correspond à, comme disait madame tout à l'heure, moi je vais... Appelons-la la comtesse. Ah, excusez-moi. C'est comme ça qu'on l'appelle dans les cercles de jeu, ça ? Je ne comprends pas. Comme je disais à madame la comtesse, alors... Ah non, non, que quand, par exemple, que quand je suis dans un salon où le jour où j'ai gagné 370 000 francs, je suis allé voir mes amis à moi, je leur ai dit, venez, je vous offre le repas. Vous voyez, je leur ai fait des cadeaux. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez gagné comme ça 37 millions de centimes? C'est important. Pour moi, c'était quelque chose de... C'était pas croyable. Et qu'est-ce que vous avez ressenti quand quelques heures plus tard, vous avez tout perdu? Le jour après, j'ai tout perdu. Le lendemain, oui. Ouais, tout à fait. Moi, j'étais tout à fait déçu. Parce ça que doit être terrible, ça, comme sensation. C'est l'ascenseur à l'envers. Parce que j'ai commencé à jouer un peu. J'avais pris 50 000 francs, j'ai commencé à jouer. Moi, bon, j'ai perdu ces 50 000 francs-là. Oui. Après, j'ai continué. J'ai dit, oh, je vais rechercher de l'argent parce que peut-être qu'avec cet argent-là, je vais refaire les 50 000 francs. Et c'est un cercle vicieux, je veux dire. Après, on arrive à zéro. Bon, puis après, la soirée, elle finit. Et on peut creuser j'ai quand fait on la fermeture. Vous avez déjà creusé en dessous de zéro? Oh, certainement, oui, oui, tout à fait. Et les casinos, quel jeu joue-t-il vis-à-vis des joueurs réguliers? On voit par exemple avec une coupe de champagne à la main, à la table de blackjack. Vous l'avez payé la coupe de champagne? Non, en principe, c'est offert par quand le casino ou le directeur des tables est un peu, reconnaît oui. Un peu les bons clients. Donc, quand vous perdez, on vous aime bien, en fait? Non, pas vraiment. Ah bon? Quand on perd ou quand on gagne, de toute façon, dans un casino, c'est rare qu'on soit bien considéré. On vous aime tout à bien fait. Quand on gagne surtout.
Ils vous aiment bien quand vous gagnez ? Mais oui, comme ça, vous distribuez 100 francs là, 100 revient. Francs là. Ils font de la pub sur vous après ? Non, puis après, on revient, il y a dépensé de toute façon. Je ne sais pas si madame est comme moi, mais moi, quand je gagne au casino, le lendemain, je reviens encore plus vite, je veux dire. On va revenir sur la dépendance, qui est le cœur de notre débat de ce soir. De quoi vous êtes dépendant, selon vous ? Du jeu. Oui, mais de quoi dans le jeu ? Quand je vais dans un casino, j'aime les relations, j'aime me sentir seul avec la machine, par exemple, quand je joue à une machine. J'aime la... Comment ça s'appelle ? Vous lui parlez ? Je lui parle... Je la sens, je dis ma cocotte, paye-moi. Vous la cognez parfois aussi ? Je la casse même des fois, parce que j'en ai déjà cassé deux, déjà, des machines. Par nerf. Quand on perd tout le temps, on est obligé d'avoir des positions très nerveuses. Vous avez essayé de vous arrêter ? Là, je me suis fait interdire de casino. Oui. Ah bon ? Absolument. Et combien de temps ? Là, il y a un mois. Pour une durée de 5 ans ? De 6 mois pour l'instant. Ah bon ? Comment on se fait atteindre au casino ? Vous avez choisi la formule 5 ans, vous, ou vous imposez ? Ah mais non, c'est une imposition, 5 ans. Ah, pas du tout, à Monte Carlo. Pas à Monte Carlo ? Ah oui, à Monte Carlo, mais en France, c'est 5 ans. Racontez-nous comment vous êtes fait interdire au casino. C'est très difficile, parce qu'on sait qu'on va se priver de quelque chose qui nous fait plaisir. Pour cela, il faut s'adresser aux renseignements généraux. C'est un nom qui fait peur. On s'imagine des fiches avec toute notre vie. D'ailleurs, c'est plus ou moins le cas, d'ailleurs. Oui, je pense que c'est doit être le cas. Et ils doivent avoir ils ont une grande habitude des joueurs. Ils savent qu'ils nous donnent 2 jours. Ils nous donnent un rendez-vous. Et ils nous disent, ne signez pas tout de suite votre demande. Prenez le temps de réfléchir. Parce que... Elle est irréversible, cette demande. Oui, la demande est irréversible. Et les gens donc, prennent les 2 jours pour réfléchir. Il y en a les 3/4 qui ne reviennent pas. Ah bon ? Oui. Mais vous ne pouvez plus entrer dans un casino en France, vraiment, sérieusement ? Non. Absolument. Impossible ? C'est On demande les papiers dans tous les casinos ? Oui, absolument. On demande les papiers. Mais sauf pour les machines à sous ou la boule... Là, on ne demande rien. La boule, c'est la petite roulette, quoi. Oui, la boule a 9 numéros, quoi. Moi, je jouais aux machines à sous et à la roulette. Bah, machine à sous, vous pouvez continuer. Si, parce que la photo circule en permanence. Ah, vous avez une photo ? Donc, il y a des gardes qui sont à l'entrée et des personnes qui circulent également entre les machines et qui essayent de repérer. Et si vous y allez habillé comme ça, un peu... J'avais un petit peu pensé... vous avez pensé, sérieusement ? Je m'étais dit, tiens... Ça fait combien de temps que vous êtes interdite maintenant ? Depuis cet hiver. Donc, j'ai fait la demande et le ministre de l'Intérieur m'a répondu un mois après. Il a été fatigué pendant un bout de temps. Voilà, il m'a gentiment autorisé à ne plus jouer. Et je compense par les courses. Mais c'est des sommes. Vous ne parlez pas des grands magasins, là ? Non, pas les grands magasins. Le petit PMU du quartier. Mais ce sont des sommes qui sont nettement inférieures. Et mieux contrôlées, oui. Mieux contrôlées. Et je dois dire que c'est une démarche différente. Vous prenez votre petit porte-monnaie, vous allez jouer ce que vous voulez. C'est dans le cadre de la vie ordinaire. Oui, c'est dans la rue, quoi. Voilà. Alors que le casino... c'est distillant, c'est toujours... Je reviens à l'ambiance donc, de notre collègue. C'est un endroit où il y a de la musique, tout y est attrayant, convivial. Une fois qu'on est là-dedans, on ne pense plus à rien. Et moi, ma première démarche, lorsque j'ai franchi la porte d'un casino, j'ai toujours de très très gros soucis de toutes sortes. De perte d'emploi, de santé, vraiment très, très, très important. Et à l'époque, j'avais des économies. J'avais encore des économies. Et un diagnostic de santé très, très, très sévère. Ça veut dire que vous avez joué pour oublier, comme certains boivent. Pour oublier. Et puis, je me suis dit, tant qu'à faire, si réellement il te reste si peu de temps, fais ce qui te fait plaisir. Ça, quand vous avez dit, on vous avait fait un diagnostic médical, comme quoi vous étiez condamné ? Oui. Et pour le problème, c'est que je suis encore là et que les économies ne sont plus. C'est un procès, mais ça. Là, c'est très, très dur. Non, pas spécialement. C'est très dur. Et la première fois que j'ai franchi la porte du casino, j'ai eu la malchance de gagner. Ah, vous aussi. Et
les personnes avec lesquelles j'ai parlé de ce fait, ça s'est toujours passé comme ça. La première fois, les gens gagnent. Et à partir ceux qui reviennent peut-être, c'est peut-être pour ça que... Et à, et à partir d'un instant... C'est le dénominateur commun voilà. de tous les accros du jeu. C'est-à-dire que quand on gagne la première fois, eh bien, le joueur a une mémoire sélective, il se rappelle plus volontiers de ses gains que de ses pertes. Ouais. Et il va relater toute sa vie, pour certains, ses gros coups, ses coups extraordinaires, enfin. Mais il ne va, va jamais raconter ses pertes, parce que bon, ça, il les oublie. Sinon, il ne rejouerait plus. Et puis le joueur est menteur. Non. Alors que des menteurs. Je demande à Patrick Légeron de venir nous rejoindre. Il est psychiatre, il va nous apporter quelques éclairages. Bonsoir Patrick. Bonsoir. Bonsoir. Patrick est psychiatre. Travaille actuellement à Sainte-Anne. Vous êtes un spécialiste des comportements compulsifs et autres. Pourquoi est-ce qu'il est si difficile pour un joueur de s'arrêter de jouer? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce processus? Est-ce que c'est parce qu'il a gagné la première fois ou est-ce que c'est plus complexe que ça? Alors c'est sûr que, comme dans la plupart des comportements, quand ceux-ci ont des conséquences agréables, on a tendance à continuer. Et au contraire, quand nos comportements ont des conséquences désagréables, on a tendance à arrêter. Ça, c'est un des principes de base des comportements. Et je crois en effet qu'il y a toujours une expérience heureuse qui, en effet, donner lieu à des gains. Laisse une trace. Il y a sans doute des facteurs biologiques et héréditaires, puisque quand même, lorsqu'on fait des études un petit peu sérieuses, mais les études sont encore relativement rares médicalement dans ce domaine, parce que d'abord, on s'est posé pendant longtemps la question de savoir s'il s'agissait d'une pathologie ou d'une maladie, puisque dans certains témoignages que j'ai entendus, c'était une façon de vivre qui est tout à fait respectueuse. On a décidé d'utiliser de l'argent, ce sont des choix de vivre sur lesquels, bien sûr, on n'a pas apporté des étiquettes de normal ou pathologique. Donc pendant longtemps, on a un petit peu ignoré la relation avec la pathologie. On sait, on en parlera peut-être tout à l'heure, qu'on peut quand même définir une forme de jeu qu'on appelle pathologique et qui donc là entre en plein dans des problèmes psychopathologiques. Ouais, c'est quoi cette forme de jeu? C'est quoi? C'est une tendance suicidaire? Non, la forme de jeu, d'abord, c'est quand le jeu envahit complètement votre esprit, c'est-à-dire que même quand vous êtes en train de faire d'autres activités, vous avez à la fois des images de jeu qui reviennent, qui sont en général positives, bien sûr, vous êtes en train d'organiser le futur, votre journée, le lendemain ou la soirée en fonction du jeu. Donc même quand vous êtes en train d'avoir d'autres activités, le jeu envahit votre esprit. Ça, c'est un des premiers critères. C'est le cas, Guy ? Tout à fait. Oui. Un deuxième critère, et là on retrouve ça dans beaucoup de comportements addictifs, c'est que pour avoir le même plaisir, il va falloir progressivement augmenter les doses. C'est-à-dire qu'on ne se stabilise pas avec une fréquence de jeu, mais on va avoir besoin d'augmenter, comme on rencontre ça dans d'autres problèmes addictifs. Un autre problème, c'est bien sûr le problème du... Enfin, ce qu'on appelle les réactions de manque ou de sevrage. C'est-à-dire lorsque les gens, pour une raison ou pour une autre, ne peuvent pas, pendant un certain temps, jouer... C'est le cas de Francis, par exemple. Eh bien, commencent à se sentir extrêmement mal. Ils ont un syndrome presque de manque. Ils se sentent irritables, dépressifs, etc. Évidemment, oui. Mais vous sentez encore le manque, là? Mais je commence à plus le contrôler. Avant, j'arrivais plus, je veux dire, dès que j'avais un manque, il fallait que je trouve quelque chose, il fallait que je trouve une solution. Il fallait qu'il y ait de l'argent, n'importe quelle solution était bonne pour avoir de l'argent. Est-ce que tous les milieux sociaux sont concernés de la même façon par le jeu? Vous dites qu'il y a des études qui ont été faites, même si elles sont récentes. Les études ne sont pas très nombreuses, mais il semble que ça touche beaucoup de milieux sociaux et qu'il n'y a pas un milieu social qui apparaît plus qu'un autre. Enfin, ça va dépendre des formes de jeu. Après, culturellement, en fonction des milieux sociaux, on va s'adonner à tel ou tel type de jeu. Entre le tiercé, le PMU, le casino, les machines à sous, il y a quand même toute une vaste gamme de jeux qui ont quand même une étiquette ou des corrélations culturelles et même socio-culturelles. D'accord. Qu'est-ce qui rend compulsif? Qu'est-ce qui fait que certains ne peuvent pas s'arrêter? Et est-ce que les joueurs compulsifs se rendent compte, sont conscients de leur compulsivité? Il y a un mécanisme psychologique qu'on commence à connaître et qui a sans doute, comme je le disais tout à l'heure, des bases biologiques. Et
on découvre des substances dans le cerveau que l'on met en évidence avec les recherches dans les neurosciences qui montrent, par exemple, la sérotonine est fortement impliquée dans les mécanismes. Qu'est-ce qui se passe? C'est que le sujet ressent une tension, c'est-à-dire un besoin qui augmente l'excitation générale à la fois du plaisir physique, qui est vécu d'ailleurs de façon extrêmement agréable. Mmh. Et en effet, comme c'était dit tout à l'heure, sans doute que l'environnement des casinos a aussi pour but, avec la lumière, la musique, d'augmenter un petit peu cette tension. Cette tension ne s'apaise qu'avec l'acte qu'on appelle compulsif, c'est-à-dire... Répétitif. Avec l'acte qui commence à résoudre la tension et à se détendre. Puis je me permets, docteur. Oui, bien sûr. Est-ce que vous ne pensez pas que dans tout être, il y a des chromosomes de joueurs? Est-ce qu'on est tous égaux vis-à-vis de la dépendance au jeu, par exemple? Bien sûr, puisque lorsqu'on parle de jeu, on fait rapport à une notion fondamentale de l'être humain, c'est-à-dire le plaisir. Dans le mot jeu, on a dit quelquefois le mot plaisir. Et donc, bien sûr, notre cerveau, à la fois dans ses aspects biologiques, mais aussi notre psychologie, est quand même organisé autour du plaisir. Mais je parle dans le jeu pathologique que ce plaisir, j'étais souvent bien triste. Vous savez, les gens qui ont des troubles addictifs, après avoir passé une période un petit peu de tension et de résolution du plaisir et de la tension, entrent dans des phases quand même qui sont de culpabilité, de mal-être. Oui, quand il se met dans le rouge régulièrement, qui se met en danger lui-même, qui met en danger ses proches, oui, sa famille, ses enfants parfois, etc. Oui, mais ça fait partie du challenge. C'est le jeu qui continue, vous comprenez? La montée d'adrénaline... Normalement, on dit la vie continue, on ne dit pas le jeu continue. Comment? Normalement, on dit la vie continue. La vie est le jeu. Pour moi, le jeu est une vie. Si le jeu vous empêche de vivre... Et la vie est un jeu. La vie que vous construisez, d'une certaine façon. La vie est un jeu. Bien sûr. Oui, pourquoi pas. C'est pour ça que je prends la vie, c'est pour ça que je joue. Non, mais c'est un luxe, je veux dire. C'est un luxe qu'il faut maîtriser. Et je n'encourage personne à jouer. Je suis passé par des situations très, très difficiles. J'ai eu la chance, pas la chance de gagner, mais la chance de m'en sortir, tout simplement. Savez-vous pourquoi vous avez commencé à jouer, Christine? D'abord, je pense qu'il y a des gènes, effectivement. Moi, j'avais mon père, j'étais donc très jeune, il jouait à la belote. Donc inconsciemment, je le regardais, j'étais très jeune, j'avais 7 ans, 8 ans, je commençais à regarder. Après, il m'a mis devant des échecs, alors j'ai joué aux échecs. Puis les échecs, c'était moins drôle, parce qu'effectivement, ça demande une certaine concentration. Bon. Et puis après, il y a eu d'autres jeux. Et puis alors là, effectivement, très jeune, j'ai rencontré des joueurs. Donc j'ai commencé à être fascinée par ce monde, parce que d'abord, ils sont fascinants, en dehors de tout. C'est un milieu quand même qui est facile, qui est léger. Oui, on ne se pose pas de questions. Bon, mais c'est un jeu de puissance, le casino. Donc, on ne peut pas lutter contre la puissance. Et là, effectivement, là, vous n'avez plus rien. Le matin, vous vous retrouvez à 6-7 heures du matin, même pas de quoi prendre un taxi. Puis, il faut payer la note d'hôtel quand vous descendez Des types ou des femmes qui ont gagné 35 millions au casino et qui se sont arrêtées, ça n'existe pas? Oh, moi, je ne crois pas du tout. On ne s'arrête pas. Je ne crois pas du tout. On ne s'arrête pas. Je n'ai jamais vu un gagnant qui demeurerait gagnant. Oui. Ça n'existe pas. Non. Au loto, certainement. Au loto, parce qu'on le jeu, c'est une grosse somme. Je n'ai pas prêt à redonner. On gagne. C'est rentré, ça reste. Je ne suis pas prêt de redonner au jeu. Je souhaite de les garder très, très longtemps. Je vous remercie. Mais enfin, cela dit, ça n'a pas du tout la même configuration. Le joueur de casino... Au casino, il gagne ponctuellement et il perd pour toujours. Mais j'ai fait ça les jeux. Ça n'a rien à voir. Si demain, effectivement, comme monsieur a gagné, je suis ravie pour lui, parce que j'ai vu enfin un gagnant. Moi, je ne les vois jamais. Bon, c'est l'histoire de l'aiguille, vous comprenez, dans la botte de foin. Moi, gratter, je ne gratte pas. Hein. Mais par contre, donc, le jeu, quand j'explique... Ça vous démange? Non, pas du tout, je ne joue pas non plus à cette espèce de truc-là, le morpion, c'est ça, gratter, quoi. Ça ne m'intéresse pas du tout. Mais non, ça, je trouve ça de vulgaire, non, pas du tout. Par contre, je joue quand je vais à la campagne, tout à fait différemment, après des grosses sommes où je joue quand même tous les jours, que j'espère. Et vous jouez combien? Je peux perdre 20 000 dans la journée. Donc c'est quand même des grosses sommes. Bon, j'ai des mauvaises passes, j'ai des bonnes passes. Mais je ne fais pas du tout comme ça. Si j'ai des mauvaises passes, bon, j'arrête, je m'en vais à la campagne et je... Ça va comment en ce moment? Très mal. Très mal, mais j'espère après ce soir, cette nuit, j'irai mieux. Touchez du bois. Il n'y a que du bois ici. Ouais. Mais je veux dire que je vais... Par exemple, un joueur, pour moi, si c'est un professionnel du jeu, on dit que c'est dans la perte qu'il doit se lever et dans le gain rester. Or, moi, je suis toujours assise. J'arrive jamais à me lever. Je suis vraiment une joueuse. Alors pour revenir à ce que tu viens de dire... Juste une parenthèse. Une parenthèse intéressante, le côté pathologique.
quand j'étais véritablement accro et très accro, eh bien, il m'arrivait en fin de soirée de payer des joueurs, de leur donner de l'argent pour qu'on continue à jouer. Et le patron du casino ne le comprenait pas. Il me disait, mais tu joues contre ton argent, c'est ton argent, mais ouais, qu'est-ce que tu fais? C'était uniquement le plaisir ludique. Ouais. On va voir comment ça se passe dans les clubs que vous fréquentez, Christine, puisque vous nous avez laissé vous accompagner avec une caméra. On va regarder quelques images de ça. Massimo, s'il te plaît. Et si c'est un club, ce n'est pas assez. Donc, les sommes ne sont pas les mêmes, mais il y a quand même une mise. Vous voyez, il y a des jetons en plastique. On met 200 francs pour avoir des cartes. Donc, et on paye un droit pour s'asseoir. Vous connaissez tous les joueurs qui se retrouvent autour de cette table? Oui, on se connaît, évidemment, il y a des années. Ce sont des clubs qui sont officiels ou qui sont officieux? Ah, ils sont officiels. C'est-à-dire qu'on a le droit d'y jouer de l'argent, quoi? Oui, mais il n'y a pas d'argent sur la table. Il y a des jetons qu'on paye, on paye une mise. Voilà, là, il y a des jetons de 500 francs, de 1000 francs. Voilà, Ouais, vous avez un beau petit tas, là. Oh non, c'est petit. Un petit, trop petit. Petit. Ça passe à des beaux tas. Il y a de l'amitié entre non, ces pas gens. Du tout. Pas d'amitié du tout? Pas du tout. Du respect mutuel? Oh, pas du tout. Je trouve que les joueurs que j'expliquais de casino et de cercle n'ont rien à voir. Le joueur de casino, il est royal. Il distribue les pourboires, il n'a plus la notion de rien. Que le joueur là, des clubs, à la limite, est plus mesquin. Parce qu'il garde toujours pour ses droits de carte, parce que quand on s'assoit, on paye un droit de carte. Ah bon? Mais donc, vous payez un droit de carte tous les jours, à la fin du mois, c'est déjà une certaine somme. Parce que ça peut atteindre 10 000, 15 000 francs de droits de carte. Et donc déjà, il faut déjà pouvoir les récupérer, sa mise. Ouais. Donc quand je vais jouer, je ne pense pas être une mauvaise joueuse, mais il y a 50-50, disons 50% de chance et 50% de bien jouer. Ouais. Bon, à l'année, il faut retomber sur ses pattes, vraiment, sans courir, effectivement, mettre ses bijoux au clou. Donc il faut avoir le talent ou la connaissance du jeu, plus de la chance, plus de la chance obligatoire. Il faut aussi de la chance. Ouais. Mais il y a que la carte qui peut. Moi, je pourrais dialoguer pas avec la machine à sous, parce que je ne joue jamais aux machines à sous, je ne joue jamais à la roulette, j'aime les cartes. J'aime effectivement le casino, parce que c'est magique, parce que ça se passe entre vous et elle, donc la carte. C'est extraordinaire, vous ne savez pas, c'est bête comme Comment vous faites pour attirer la chance à vous? Ben, je ne sais pas, déjà j'ai dû naître avec une cuillère en or, hein, sûrement, parce que... Vous avez des gris-gris, trucs comme ça? Moi je suis très féticharde. Féticharde, vous, ouais, plutôt? Je suis très féticharde. Moi fétichiste, chacun son truc. Oui, j'ai souvent des dans mon sac, j'ai toujours un petit truc je vais sortir. Bon, je ne vais pas sortir une amulette, mais je vais sortir une petite chose, n'importe quoi, où je m'enlevais un bijou, que je pense qu'aujourd'hui, mauvaise onde. Bon, moi, j'y crois. Par contre, une fois dehors, je ne suis pas du tout... Ah non. Alors donc, c'est très important. Je pense que quelqu'un qui vient s'asseoir à côté de moi, s'il ne me voit pas prendre un coup, je vais lui demander gentiment d'aller s'asseoir ailleurs. C'est un milieu de macho. Il y en a vu quasiment que des hommes, par vous, autour de la table. Alors, il y a des femmes qui jouent moins cher, évidemment, qui sont dans une autre salle, parce que leurs maris sont dans l'autre salle. Alors, elles ne jouent pas très cher, parce que les maris n'aiment pas tellement que leurs femmes jouent cher, parce qu'elles jouent au budget aussi, quand même. Donc, il file 5 jetons pour la calmer, puis c'est... Souvent, ils s'arrangent, mais enfin, il y a des femmes qui jouent par ennui ou parce qu'elles ont eu un chagrin dans leur vie. Et le jeu, effectivement, vous ne pensez plus à rien. C'est là, vous êtes, je vous dis, les rapports entre la carte et vous. Et les machos, moi, je vois personne. Pourquoi machos? Par contre, les hommes sont très sexistes. Ils détestent, ils sont sexistes. D'abord, ils ne disent jamais bonjour. Je ne demande pas ce qu'on se lève quand j'arrive. Mais ils pourraient dire bonjour, tiens, comment ça va? Pas du tout. Rien du tout. On arrive, on s'assoit, qui est pivot, c'est-à-dire celui qui a tiré la plus forte carte. Donc, vous asseyez. Vous ne demandez rien. Vous passez 8 heures, 10 heures avec ces hommes. Donc, je m'en fous complètement. Non, mais ce qu'il faut dire, c'est que tu es flambeuse et que le jeu dans un club dans lequel on t'a vu jouer ne te convient pas du tout. Non, mais ça m'évite d'aller au casino. Parce que dans ce genre de club, il y a surtout des matérialistes qui viennent pour gagner de quoi vivre. Il y a beaucoup vivre, de professionnels. D'accord. On va donner la parole à un professionnel dans un instant. Guy, vous aimez l'ambiance du casino? Vous trouvez que les gens sont sympas? Parce qu'on vous a vu tout à l'heure quand vous jouiez au blackjack, votre voisine de gauche. Moi, je trouve que vous donnez un peu des coups de coude, hein, quand même. Oui, oui, tout à fait. Mais je trouve que l'ambiance du casino est beaucoup plus agréable que de ce qu'on vient de voir, là. Est-ce que vous pensez que le jeu est un plaisir solitaire ou un moyen de communiquer avec une forme de société? Moi, je suis venu à jouer au casino par solitude. Non, j'ai retrouvé mon réconfort de la solitude dans le casino. Donc, je préfère jouer seul, en principe.
Ouais. Parce ça, que des fois ça me porte mal, des fois ça me porte pas mal. Vous savez, cette personne-là, je ne le veux pas à côté de moi parce qu'il me porte mal. Ouais. Je ne veux pas. D'accord. Je préfère jouer tout seul. On donne la parole à un joueur professionnel, ce dont vous parliez il y a un instant. Il s'appelle Claude Bourget. Où est-ce que vous êtes, monsieur Bourget? C'est vous, d'accord. Vous jouez depuis quoi? Depuis une vingtaine d'années à peu près? Une vingtaine d'années, oui, depuis que j'ai 18 ans. Vous en vivez? Oui. Vous êtes reconnu dans les propos de Christine quand elle parle des joueurs autour des tables de club? Pas du tout. J'estime même pas être un joueur, en fait. Je suis plutôt comme votre invité d'honneur, le jeu ça m'emmerde. Je fais ça parce que c'est un moyen de gagner de l'argent, mais je ne m'amuse pas du tout. Du tout. Ça, plus vite c'est fini à la limite, plus je suis content. Ça vous fixez des objectifs? Oui, exactement. Ouais, en fait, je considère ça plutôt comme un boulot, comme un travail. Et je le fais sans aucun plaisir. Mais depuis 20 ans, vous n'avez exercé aucun autre métier? Non, je n'ai fait autre chose. Vous avez une famille, des enfants? Eh ben pas encore, je suis marié, mais j'ai pas d'enfant. Vous êtes marié, vous gagnez combien? C'est une bonne gagneuse? Actuellement, disons, ça tourne autour. Actuellement, ça tourne autour de 50 000 francs, si vous voulez. Par mois? Par mois. Par oui. mois. Net d'impôt? Maintenant, oui. Maintenant, oui, parce que j'ai eu plein d'ennuis fiscaux, évidemment. Je sais pas. Enfin, a priori, les gains au jeu sont. Ah, ben alors là, je connais ça par cœur. Ouais. L'article dit précisément que les gains du jeu en France. Principal, vous êtes imposable. Ah oui, c'est voilà. Ça. Sauf s'il constitue la source principale d'enrichissement. Hein, ah bah ça, voilà la Fabien, c'est votre source principale d'enrichissement maintenant. Hein. Ouais, on peut dire ça comme ça. Ah bah ouais. Ça, c'est un gain en capital. C'est un gain en capital, c'est encore une autre chose. C'est encore autre chose. À quoi vous jouez, vous? Maintenant, les courses de chevaux. Que les courses? Ouais, maintenant plus que ça. À Paris, fait, ou vous allez sur les hippodromes de région? J'ai fait le blackjack, j'ai fait le poker et maintenant les courses de chevaux. Arrêtez les courses, arrêtez les courses. Non. Mais monsieur non, dit non, qu'il gagne 50 000 francs par mois. Non, parce qu'il doit avoir des bons tuyauteurs. Voilà, c'est une question de connaissance. Parce qu'un cheval qui doit gagner comme. C'est un travail comme un autre, c'est une question de connaissance, de minimum de travail, d'application à ce qu'on fait. Je cherche à gagner régulièrement des sommes, enfin petites, tout est relatif, bien entendu. Mais je cherche à gagner régulièrement, mais gagner un million de francs ou des choses comme ça, c'est pas ce que je vise du tout. Je joue pas l'auto? J'ai dû jouer deux fois l'année dernière, oui. Ouais. C'est pas énorme. Comme gratter, bon, bah, effectivement, ça m'arrive de gratter aussi, mais... C'est comme un travail de salarié, il y a des matins où ça vous emmerde oui, d'aller au boulot ou... Oui, sauf que, bon, effectivement, je travaille une heure par jour. Ah ouais, voilà. Ah, quand même. Ouais. Qu'est-ce que vous faites le reste du temps, alors, monsieur? Oh, pff, non, j'ai plein d'activités à côté, mais justement, ce travail-là me permet d'avoir du temps libre. J'ai bien aimé que vous avez parlé de liberté tout à l'heure, c'est vous qui avez parlé de liberté. Ouais, c'est vrai que ça me donne de la liberté. Ce que je veux faire, je fais ce que je veux. Ça vous étonne de voir quelqu'un qui gagne alors que la majorité des oui. joueurs perdent? Oui, je suis très étonnée de voir quelqu'un. Mais parce que je ne suis pas joueur. C'est des maths? Oui. C'est des probas? Mais c'est oui, des probas. Il y a des voilà. probabilités. Il faut être un mathématicien au départ. Donc ce n'est pas de l'amour du cheval ou ah non, de l'éleveur? Non, du tout. À la limite, le cheval, je m'en fous. Cheval, ouais. Vous en mangez? Mais c'est vrai. C'est pas... Vous gagnez 50 000 francs tous les mois, c'est pas mal. Je trouve ça mal. Alors là, étonnant. Non, mais c'est pas vrai ça. Mais sur les courses de chevaux, qu'est-ce qu'il y a? C'est un joueur sur 1000 qui est comme ça. Si vous voyez tous les jours. Mais c'est même pas un joueur. Non, même pas. Même pas. Parce que. C'est pas un joueur, il joue quand même. C'est pas un passionné, mais c'est un joueur. C'est pas un joueur qui est pour gagner 50 000 francs. Il sait se contrôler. Nous, on ne sait pas se contrôler, justement. Je crois que c'est vraiment ça la différence. Là, on est vraiment à l'opposé de deux formes de jeu. Il y a une forme de jeu qui est une forme raisonnée, c'est-à-dire avec l'objectif de gagner de l'argent, donc à la limite de réfléchir à toutes les stratégies, la probabilité froidement. D'être froidement. Monsieur l'a dit fort bien, d'y n'éprouver aucun plaisir. Je crois qu'il a dit ça clairement. Et puis une autre forme qui dépasse la raison. Car lorsqu'on est compulsif, on sait qu'il faut s'arrêter. On le sait. Mais on ne peut pas. C'est bien ça toute la difficulté. Vous croyez qu'on peut vraiment vivre du jeu? Je vais vous dire très franchement, j'ai fréquenté les courses depuis l'âge de 12 ans. J'ai vu des phénomènes aux courses, j'en connais. De là à dire que l'on peut vivre du jeu, j'ai connu tous les mathématiciens qui se sont penchés sur les courses. Et je n'y crois pas. Bravo. Je n'y crois pas. Parce qu'à un certain moment, eh bien, ça flanche. À un moment... Ça fait 20 ans que ça tient, lui. Oui, écoutez, je lui souhaite. Non, mais il peut y avoir des exceptions. Ah, vous ne croyez pas, vous ne croyez pas. Si, si, non, je peux le croire. Mais je ne crois pas qu'on puisse en parler pour dire que ça existe. Parce que c'est unique. C'est le seul. Non, non, non. Alors là, mon dernier contrôle fiscal, j'avais parlé avec la jeune femme qui me contrôlait. Ouais. En France, on était une quinzaine. C'est bien passé, c'est bien. Mais enfin, 15 contrôle. Sur des millions. Ah ben oui, oui, non, mais je n'ai pas dit que c'est la généralité. Mais enfin, en France, on était une quinzaine. Non, non, mais je veux dire que qu'est-ce que vous a dit, l'inspectrice? Qu'on était une quinzaine dans mon cas en France. Ah bon? Oui. Vous connaissez?
Les autres? Ouais. Quelques-uns, pas tous. Hein. Mais vous allez sur les champs de course ou vous jouez... Pardon, ce ne sont que des mathématiciens? Non, ah, non, je ne connais pas les autres. Je connais pas les 15 autres, je connais deux ou trois autres. Je ne peux pas parler pour non, parce tout le monde. Non, parce qu'à partir du moment où la démarche de jouer, de mettre son argent... Je ne veux pas mettre le côté mathématicien d'abord. Si on y croit véritablement, pourquoi limite-t-on la mise? On peut tout faire, on fait tapis, si on y croit. Mais non, le côté mathématicien intervient moins maintenant que ce qu'il a intervenu à l'époque, par exemple, jouer au poker, où le calcul des probabilités des mains était important. Sur les chevaux, ça joue moins encore qu'il y a des facteurs qui interviennent. C'est les tuyaux, alors? Les tuyaux et les probas? Oui, c'est un mélange de beaucoup de choses, en fait. C'est un travail permanent. C'est facile si on est que 15. Hein, non, mais vous travaillez sur une montante, je présume. Pas du tout. Non, non, pas du tout. Non, non, alors là, justement, j'allais y venir. Parce la montante, c'est vous, quelque chose vous que je rencontrais souvent. Vous perdez un franc, vous jouez deux francs, vous perdez deux francs, vous jouez quatre francs. C'est quelque chose que je rencontrais souvent, tant à l'époque où je fréquentais plus les casinos que maintenant avec les chevaux. Le système des montantes, des vendeurs de méthodes, par exemple, ou des choses comme ça, c'est obligatoirement une arnaque. Alors là, je veux le dire quand même. Si quelqu'un vous propose un jour de vous vendre quelque chose qui va vous permettre de gagner, automatiquement, c'est une arnaque. Je veux dire, quelqu'un... Mais il l'utiliserait pour lui-même, on comprend bien. Évidemment. Ouais. Je veux dire, c'est James, quand vous aviez 14 ans, vous étiez déjà sur les champs de course. J'allais sur les champs de course, oui, parce que... Comment faisiez pour jouer quand vous n'avez pas le droit? J'allais au lycée, et à l'âge de 11-12 ans, eh bien, je faisais mes jeux entre deux cours, et je fonçais au PMU, je disais que c'était pour mon père, et je donnais mes jeux. Et à la récré, eh bien, j'allais au téléscripteur pour voir les résultats, si j'avais gagné ou pas. À part ça, vous n'êtes pas menteur? Non, je ne suis pas menteur. Non, non. Bah, si, la volonté. Pourquoi? Pourquoi? Si vous dites que c'était pour votre père, que c'était pour vous. Oui, mais enfin bon, c'est pas un mensonge. C'est pas mentir, c'est un joueur, c'est pas mentir. J'ai 14 ans, c'est pas... Non, mais c'est pas un gros mensonge. C'est pas un petit mensonge. Si, j'ai menti, mais non, mais je ne suis pas menteur délibéré, mais j'ai menti pour ne pas faire de peine aussi à mes parents. Mais tout le monde ment, de toute façon. Oui, mais je crois que le jeu pousse les gens à mentir. Pardon? Le jeu pousse. Oui, c'est possible. Oui, déjà pour ne pas faire du mal à l'entourage, oui. Vous savez, mon père gagnait très très peu d'argent en travaillant très durement. Il est évident que par respect, je ne pouvais pas lui dire que je perdais des millions quand il ne les gagnait pas, vous comprenez? Quand il ne gagnait pas le centième, oui. Pourquoi, à 23 ans, vous avez été radié de tous les casinos, tous les cercles de jeux en France? Eh bien, parce que je savais que je me condamnais si je restais à jouer en permanence sur Paris, dans les cercles ou dans les casinos. Je savais que je pouvais quand même continuer à jouer en allant à Monte-Carlo ou à Ostende ou à Londres ou à Vegas. Et je me disais que si je restreignais le champ des possibilités... Vous êtes fait interdire, alors. Je me suis fait interdire. Je suis allé rue des Ursins. C'était pas du tout... Rue des Oursins dans non, les poches, des Ursins. C'est la préfecture. C'était pas du tout les renseignements généraux à l'époque. Je ne sais pas maintenant. Et effectivement, on fait une enquête. On vous faisait une enquête. Et puis, on vous demandait la motivation de votre arrêt. Et puis, un mois plus tard, eh bien, si vous aviez l'intention d'y aller, eh bien, vous vous présentiez devant n'importe quel casino, n'importe quel cercle. Et dès que vous présentiez vos papiers d'identité, on vous refoulait. Pourtant, il n'y avait pas encore d'ordinateur, il n'y avait pas déjà des ordinateurs partout? Non, mais ils avaient des fiches. L'info circulait vite. Ouais. Le jeu était aussi pour vous un moyen de vous confronter à ce que vous appelez les grands de ce monde. Ouais. Qui, par exemple? Il m'est arrivé, par exemple, de faire des parties, surtout à Monte-Carlo, au super privé, au Sporting. J'ai eu l'occasion de faire de très, très grosses parties de chemin de fer, notamment avec Jack Warner, Vittorio De Sica, quand il était vivant, avec son épouse. Avec la princesse Soraya, il m'est arrivé de gagner, de faucher la table, et puis de reperdre, enfin bon, Tout fait rêver, Christine? Pas du tout, parce que je connais, et je connais aussi avec qui on joue. Ça peut vous faire rêver quand même, hein? Non, mais moi je trouve que c'est fabuleux, pour moi personnellement, je trouve que c'est... la plus belle vie qu'on puisse vivre? C'est bandant, voilà, il n'y a pas d'autre expression, vous comprenez, quand je joue dans les clubs là où je joue, c'est tout à fait le contraire. Moi, je suis ravie de castrer un homme quand je lui prends un coup. Parce qu'il est tellement là, je lui ai pris ses tripes, alors que je lui ai pris quoi, 2-3 000 francs sur un coup. Bon, on n'a pas Vous gardez rapports. Le sourire quand vous perdez, quand vous avez perdu un banco à 500 000, par exemple? Eh bien, c'est-à-dire que j'ai Vous restez classe?
Mais c'est ce que j'oublie. Moi, j'oublie une demi-heure après. Je vois, j'ai la chance d'avoir des hommes galants. Je vais finir la fête. Je vais boire un verre, souper. Bon, puis je dors peut-être pas très bien, mais le lendemain, je repars. Quoi. Ouais. C'est, j'ai oublié. Moi, je vais. Vous n'êtes jamais resté au fond d'un espèce de trou pendant une sûrement semaine pas. Moi, je suis une instinctive. Moi, je vis les moments présents. Demain, c'est un autre jour. Et puis, s'il n'y a pas de demain, ça n'est pas important, ce que disent les Maasai. Moi, demain, je ne connais pas, je suis morte. Alors, ce n'est pas important du tout. Ça ferait de la peine sûrement à mes enfants. Si demain je n'existais plus, mais si je dois mourir sur un banco. Ça fera de la peine au jeune homme, surtout qui est là. Hein, si demain je dois mourir sur un banco d'un million, autant que je meurs sur un banco d'un arrêt cardiaque, ça c'est très beau. Vous comprenez Quel c'est geste pas... ouais. C'est très Cyrano, ça. Quelle belle mort. Vous êtes allé à Vegas pour faire ce que vous appelez une overdose de jeu, je le disais, 8 jours, 8 nuits de suite, avec une heure d'arrêt où vous faisiez masser, le reste du temps du café et des pancakes, et un record à la clé. C'est une fierté pour vous? Oui. Et puis, je voulais savoir si j'arrivais à garder mon contrôle pendant un certain nombre de jours. Et j'ai gardé véritablement mon contrôle, parce que je suis parti sur une méthode de jeu. Je jouais à un jeu d'égalité, qui est le Ponte Banco. C'est-à-dire que vous pouvez jouer avec la banque ou contre la banque à chaque coup. Et je cherchais à savoir s'il était possible de garder son contrôle et de gagner. J'ai gagné. Vous avez gagné combien? Très peu. Jours. J'ai gagné 6 000 $, mais en jouant des petites francs. Sommes. Voilà. Autre record, vous avez eu 5 épouses en 35 ans. Oui. Est-ce que c'est lié au jeu? Ça, c'est la loterie. C'est la loterie, ça? Ah oui, une loterie. Non, 5 en 35 ans, ça fait 7 ans de moyenne, je pense. C'est ça. 7 ans de bonheur, 7 ans de malheur, ou 7 ans de réflexion. Ouais. Ouais. Enfin, je n'ai pas encore battu le record de Barbe Bleue. Hein. Vous le tuez, vous aussi? Non. Vous dites qu'un vrai joueur ne peut pas s'arrêter, pourtant, vous vous êtes vous-même arrêté, finalement. Oui, il y a 6 ans. Vous jouez encore un petit peu aux courses. Oui. Vous avez complètement quitté les cercles, les clubs, les casinos. Absolument. Par nécessité ou par envie? Eh bien, d'une part, il y a plusieurs raisons à cela. C'est-à-dire que, d'une part, moi, je suis un peu comme monsieur de Monaco. Oui. C'est-à-dire que j'étais attiré par le faste et par le cérémonial et le fait également de jouer dans des parties avec des personnages importants comme nous les avons cités, entre autres. Vous avez arrêté parce que vous n'aviez plus les moyens de vous payer non, ce genre de plaisir parce que le faste a disparu? Non, parce que c'est complètement mécanisé. Je n'aime pas les machines à sous, ça ne m'intéresse pas. Oh non, il n'y a pas que des machines, il y a encore des tables. On peut encore jouer très au blackjack. Mais le blackjack, les machines qui prennent la place. Le blackjack, c'est un jeu qui ne m'intéresse pas du tout. En plus, c'est le jeu gagnant du casino. Non, mais c'est complètement pour le casino. Moi qui aime les cartes, aucune chance de gagner au blackjack. Aucune chance. C'est tout pour la maison. Il faut jouer. Conseillez ceux qui veulent. Le seul jeu qui puisse être gagnant, justement, ne se joue maintenant qu'à Monte-Carlo, c'est le 30 et 40. C'est le seul jeu où vous avez une petite chance de vous en sortir. C'est le 30 et 40, qui est un jeu d'égalité. Jeu de cartes? Jeu de cartes. Oui. Jeu de cartes, d'accord. Qu'est-ce qui vous procure aujourd'hui, 6 ans après avoir arrêté donc, le jeu fastueux dont vous parliez, des sensations comparables à celles que vous apportez le jeu? Je n'en ai pas. Il n'y en a pas? Non. Je vieillis certainement. Mais qu'est-ce que vous pensez de votre vie maintenant? Moi, je suis très content de ma vie. Oui. Très, très content. Je la souhaite à beaucoup de gens. Oh non. Mais si, c'est bien. Oui, c'est bien, peut-être. Pourquoi vous dites non? Parce que je sais pas, moi, pour moi, quelqu'un qui... Je veux dire, peut-être que lui, il a été heureux, ça a été une exception, mais là, on voit peut-être deux personnes qui sont heureux du jeu, mais on voit pas tous ceux qui sont malheureux, et il y en a des millions... d'avoir arrêté de jouer aussi. Il y a des millions de gens à qui ils doivent... Ils vont jouer 1000 francs, 2000 francs, et puis après, ils n'ont plus pour donner à manger à leur enfant. Et ça, c'est malheureux. Vous avez des enfants? Je veux dire, j'ai pas d'enfants. Non, mais moi, c'est pas mon cas. Hein. Mais je dis, il y a deux personnes qui le vivent bien. Oui, oui. Voilà. Mais il y a des millions. Bon, Fabien, il se plaint, mais il le vit pas trop mal non plus. Non, mais pas encore. Près de l'essentiel de la vie, maintenant. Mais l'essentiel, c'est quoi? Oui, c'est vrai que chacun a son essentiel. Vous avez quel âge, James, maintenant? Si je peux me permettre. J'ai 56 ans. 56 ans. J'ai encore tout l'avenir devant moi. C'est bien sûr. Et plus que ça, Francis a 25 ans, participe depuis 2 mois aux réunions de l'association Joueurs Anonymes. Depuis 2 mois, est-ce que vous avez vraiment arrêté de jouer? Depuis 2 mois, vous n'avez pas mis un franc? Vraiment, plus. Même pas belge? Plus un franc, vraiment. Et je me sens mieux, mais. Et je veux dire, je crois que... On dirait que vous êtes en train de vous marteler le crâne en disant « je me sens bien, je me sens mieux ». Non, mais j'en suis sûr, j'en suis sûr. J'ai les contacts. Il est quelqu'un de tout à fait différent. Ah oui. Vous sentez mieux, vous aussi, qu'avant? Oui, tout à fait. Pourquoi? Vous avez connu des périodes difficiles? Parce que lui est différent. Oui, moi, j'étais très, très mal. Pas frustrée, mais j'étais très mal. C'est-à-dire? Quand on voit que la personne qu'on aime,
quand on voit qu'on n'existe pas vraiment pour elle et que le jeu passe avant tout, et que dans sa tête, c'est 24 heures sur 24 le jeu, c'est que ça veut dire qu'on n'a pas d'hobby ensemble, qu'on ne fait rien. Ça veut dire que l'argent, il ne faut pas l'investir dans un cinéma ou dans un bon restaurant. C'est tout gardé pour le jeu. C'est tout gardé pour vous le jeu. Vous en avez souffert physiquement sans... Oui, oui, je suis rentrée à l'hôpital, etc. Attendez, excusez-moi, Jess, vous disiez? Oui, je suis carrément rentrée à l'hôpital en urgence. Tellement ça, ça devient... Vous êtes un peu lâché Non, mais je veux dire, c'est... on est frustré. Alors quand on va perdre 10 000 francs, et puis qu'on rentre, et puis qu'on ne veut peut-être pas dire à sa femme qu'on a joué 10 000 francs, et puis qu'elle est là et qu'elle nous dit « Mais qu'est-ce que t'as? Viens, on va au resto. T'as plus un franc, t'as tout claqué au casino. » Donc c'est clair. Et puis je veux dire... Et puis elle est là et t'essaye de dire « Laisse-moi tranquille. » Et puis voilà. Et puis c'est ça. Et je me suis dit « Maintenant, soit je continue à jouer. » Et à petit feu, je fous ma vie en l'air, ou soit j'arrête et j'essaye de rendre ma femme heureuse et mon entourage heureux. Vous êtes partie combien de temps en tout, Nadia? Je suis partie quelques mois quand même. Juste. Vous pensez qu'il va tenir le coup? Mais c'est comme un alcoolique, je pense, hein, comme toute autre pathologie. On n'est jamais sûr. Et il sait très très bien que lui va rester un joueur toute sa vie. Et il sait très très bien que le chemin pour le casino, il doit l'éviter. Ça veut dire pas une goutte de jeu, comme on dit, pas une goutte d'alcool pour un ancien alcoolique. Ah oui, il peut même pas gratter parce que ça peut le reprendre. Alors c'est ta vie, et puis bon, c'est demain, c'est un autre jour. Deux mois d'abstinence donc, et c'est pas encore gagné, Francis. On va partir pour le reportage, on complétera après. Hein. Allez, on regarde le reportage de Léa et Christian. Eh ben ici, on est au centre de Bruxelles. Ici, on peut. Sur un rayon de 300 mètres, on peut vraiment claquer partout son pognon. Il y en a deux par là, trois par là. Il y en a environ une dizaine de Luna Park où on peut gaspiller notre pognon. Les Luna Park pullulent en Belgique. C'est dans ces mini-casinos que Francis, lorsqu'il était encore joueur, passait plusieurs heures par jour. En fait, là, c'est comme si on y était, quoi. Il faut même plus aller dans les hippodromes et tout. On nous facilite la tâche. Depuis que j'ai 18 ans, je joue et j'en ai 25. J'ai claqué un peu 500 000 francs français. Machines électroniques, casinos, courses de chevaux ou de lévriers, tout était bon pour assouvir le désir de jeu de Francis. Le jeu est une vraie histoire de famille. C'est son père, turfiste depuis 40 ans, qui lui a transmis le virus. J'en veux pas à mes parents, j'en veux pas à ma mère, j'en veux pas à mon père pour ce que j'ai vécu. La seule chose qu'avec les contacts avec lesquels j'avais de mon père, c'était le jeu. Il y a des gènes dans la famille qui font que bon, tu as hérité de ça, que tu as hérité beaucoup de ton père. Le fils, lui, c'était vraiment ce besoin d'adrénaline qu'il avait. Parce que aucun des deux, c'est la part du gain qui compte. Aucun des deux. C'est surtout cette envie de jouer, de se faire peur. Parce que quand ils gagnaient, ce sont tous les deux, ils sont les mêmes, ils sont les premiers à donner à ce moment-là. Tout ce qu'ils gagnaient, ils donnaient. Ils achetaient à tout le monde, ils donnaient. Vous en voulez à votre mari d'avoir joué autant d'argent? Lui en vouloir, oui, dans un sens. Est-ce que... Mais c'est comme un alcoolique, c'est la même chose. Toute personne, tout être humain qui a des défauts, ben, on regrette, on veut toujours quelqu'un de parfait. C'est ça que je m'en veux. Je vous ai dit, je joue plus aux courses depuis 8 mois, j'aurais dû faire ça il y a 40 ans. La vie aurait été un peu plus belle, maintenant. C'est tout. Car si les parents de Francis déménagent aujourd'hui, c'est parce que le jeu leur a interdit d'épargner pendant toute leur vie. Ils ne peuvent plus payer le loyer et à l'âge de la retraite, ils doivent emménager dans un logement plus modeste. Et si votre mari demain se remettait à jouer aux courses? Oh, je crois plus que je le supporterais maintenant. Avec l'effort que j'ai vu que mon fils a fait pour s'en sortir, je ne crois plus que je supporterais que mon mari, lui, il rejoue. Ça, c'est... Et ça, je crois que lui, il ne le ferait pas rien par amour pour son fils non plus, parce qu'il en est tellement fier de son fils, de ce qu'il a fait pour s'en sortir, que ça, c'était là. Non, ça, il ne pourrait pas, et je ne crois pas qu'il le ferait. Mais peut-être que ça me fait plaisir, que peut-être grâce à mon abstinence de jouer, peut-être que mon père, ben, il réfléchira deux fois avant d'aller jouer lui-même. Ben, ça, c'est non, j'aurais envie. Mais ça, peut-être que même tu... Même plus 5 francs.
Ça, j'ai la course, tu ne voudras plus mettre 5 francs. Ben ça, j'espère. Cela ne fait que quelques semaines que Francis se dit sevré du jeu et c'est à l'impatience de sa femme Nadia qu'il doit cette soudaine décision. En fait, à l'époque, je ne comprenais même pas que ces coups de colère, que toutes ces frustrations qu'il ressentait parce qu'il perdait beaucoup au jeu, toutes ces frustrations que moi j'encaissais, cette agressivité qu'il avait vis-à-vis de moi, je n'avais même pas compris que c'était dû au jeu. Puisque lui perdait cet argent et allait jouer sans que je le sache. Il était agressif? Oui. C'est-à-dire? Oh, il devenait violent par la parole et parfois il en arrivait aux mains. Et donc à un moment donné, vous avez voulu le quitter, c'est ça? Oui, je l'ai fait carrément. Cela, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus parce que le jeu bouffait notre vie quotidienne. La seule chose qui m'a sauvé, c'est qu'elle l'a fait. Pour un joueur compulsif, il lui faut un déclic. Et moi, le déclic, ça a été qu'elle m'a quitté. Et puis voilà, donc ça m'a permis de me dire que je pourrais jamais construire quelque chose. On ne comprendra jamais un joueur. Il faut être joueur, je pense, pour le comprendre. On ne comprend pas comment un joueur peut ressentir de l'adrénaline comme ça parce qu'il y a une roulette qui tourne et parce qu'il a misé une certaine somme. Je veux dire, ça m'est arrivé de jouer avec lui, mais j'ai aucun plaisir. Et puis, j'avais pas cette montée d'adrénaline comme lui peut le ressentir. Mais pour lui, c'était vraiment une transformation. Elle est physique, elle est visible. Alors dans sa tête, j'ose pas imaginer ce qui devait se passer. Mais on ne comprend pas, on ne comprend pas. Et je crois qu'il n'y a qu'un joueur pour comprendre un autre joueur. C'est la raison pour laquelle Francis se rend chaque semaine dans une association, les joueurs anonymes. Ah, avez-vous déjà perdu du temps au travail à cause du jeu? Oui. Deux, est-ce que le jeu a déjà rendu votre vie familiale malheureuse? Oui. Trois, est-ce que le jeu a nui à votre réputation? Oui. Il ou elle, jeunes ou plus âgés, tous ont été des joueurs invétérés durant de longues années. C'est en suivant les conseils d'un manuel et en échangeant leurs expériences et leurs souffrances qu'ils tentent de résister à la tentation du jeu. Ou autrement, résoudre des problèmes financiers? Oui. Aujourd'hui, c'est exactement 3 ans que je ne joue plus. Et ça me fait du bien. Quand il y a 3 ans, en me réveillant après un coma de quelques heures, après une tentative de suicide, le choix était très simple. J'ai pas dit facile, mais simple. C'était vivre ou la mort. Tout a démarré avec un choc, disons, qui a été le départ de mon épouse et qui a permis réellement de toucher le fond. Ça, c'était mon fond et mon plateau le plus bas, quoi. Et je vais dire qu'effectivement, maintenant, mais ça commence tout doucement à se remettre en place. La tentation est toujours là, mais le fait de chaque semaine se retrouver, le fait d'avoir en main des règles qu'on n'a pas quand on est joueur, c'est quelque part le meilleur moyen de solutionner cette situation qui existe déjà depuis 15 ans maintenant. Et voilà. On m'a dit beaucoup cette semaine, tu étais un joueur, tu as arrêté de jouer. Et ça m'a vraiment interpellé parce que je suis un joueur. Et si je suis joueur jusqu'à la fin de mes jours, je veux être abstinent jusqu'à la fin de mes jours. Dis-moi, ça fait 1 an que je viens ici. Et déjà, j'ai rechuté 3 fois. Donc, j'ai peur de rechuter une 4e fois, c'est clair. Mais si je suis ici, c'est parce que le groupe m'aide. Et je me dis, cette fois, c'est la bonne, quoi. J'ai un gros problème, c'est l'autodestruction qui me mène rapidement à aller jouer parce que tout ce qui est bien chez moi, ça ne me convient pas en ce moment, probablement, et qu'il est plus facile pour moi d'aller chercher là où je peux m'autodétruire que d'apporter le bien autour de moi, quoi, de me chercher des bonnes choses. Et régulièrement, j'ai des impulsions quand je suis déçu, contrarié ou n'importe quoi. Tout prétexte est bon pour moi pour aller jouer, quoi. Bonjour tout le monde. Salut. Bonne semaine. Maintenant, ma vie commence. Mon ancienne vie de joueur, c'était basé sur rien, je veux dire, sur le jeu, simplement. Et maintenant, enfin, ma vie commence. Et je veux dire, maintenant, j'ai toute ma vie pour construire avec ma femme, faire des enfants, des vraies valeurs, quoi.
aller se promener, tout des choses que je faisais pas quand j'étais joueur, quoi. Des vraies valeurs, il l'a dit, voilà. Alors, pourquoi je vais passer en Catala ou de Léa. En fait, il était déjà joueur, ça va? Oui, oui. Alors, regardez ce reportage. Mais non, c'est les lunettes avec la lumière. Ah, oui. Bah, on ça passe devrait... de la nuit au... Ouais, mais nous aussi, l'éclairage. Hein. Mais avec les lunettes, ça fait un drôle d'effet aux yeux. Ah bon? Vous pouvez les enlever si vous voulez. Non, non. Ah, pourquoi vous souhaitez témoigner anonymement tout ce soir? Ben, moi, j'aurais préféré. Nous, on aurait préféré ne pas le faire anonymement, mais c'est par respect pour la famille et l'entourage. Si on revient au début de votre relation, quand vous avez connu votre mari, il était déjà joueur. Il était joueur, mais il arrivait à le cacher. Ah, vous le saviez? Vous le saviez pas? Non. Je connaissais pas l'ampleur des dégâts et puis je comprenais pas. Tout ce que ça pouvait engager, en fait, de jeu. Donc vous l'avez compris peu à peu, ça? Petit à petit. Ouais. Petit à petit, on voit que le jeu, finalement, bouffe toute la vie. Mais est-ce qu'il y a des moments, avant de voir le côté négatif, est-ce qu'il y a des moments positifs? Est-ce qu'il vous est partagé, par exemple, les moments où il gagnait vraiment de l'argent ou... Non, j'ai jamais connu ces moments-là. Mais il n'a jamais gagné. Même quand il gagnait, il allait les reperdre. Il n'a jamais vraiment gagné. Vous n'êtes jamais sorti du casino avec mais je veux dire, en fait, plus d'argent qu'avant? Non, mais moi, j'ai gagné. Mais ce qui se passait, c'est que si je gagnais... Et je lui disais, voilà, j'ai gagné autant. Après, j'aurais plus de l'argent pour jouer. Parce que je l'aurais donné, elle me l'aurait mis de côté. Mais en fait, je suis tombée, mais de très, très, très haut, quand j'ai su tous les mensonges qu'il m'avait racontés. C'est pour ça que pour moi, un joueur, c'est forcément un menteur. Mais je suis tombée de très, très haut. Parce que pour moi, c'était le garçon le plus honnête. Et c'était même une des raisons pour laquelle je l'aimais. Mais nous, on est arrivés au stade... Vous avez continué à l'aimer après, visiblement, puisque vous êtes revenu avec lui. Oui, oui, bien sûr, mais avec une certaine déception, quand même. Je m'étais trompée sur la personne. On va parler de l'entourage des joueurs et du rôle que peut jouer l'entourage auprès d'un joueur pour l'aider à se débarrasser de cette manie. À votre avis, est-ce qu'un joueur peut être, trimballé, peut être modifié dans ses habitudes de jeu simplement par la pression de quelqu'un qu'il aime? Ou est-ce que c'est un déclic qui doit se produire seul? D'abord, ce que j'ai envie de dire, c'est que l'entourage a un rôle extrêmement difficile à jouer. C'est extrêmement difficile pour l'entourage, pour plusieurs raisons. D'abord, et je crois que ça a été dit, je parle des formes de jeu pathologiques les plus sévères, donc il ne faut pas que tout le monde se reconnaisse dans ce que je vais dire, c'est qu'en effet, le joueur a tendance à cacher, à minimiser, à ne pas raconter. Donc l'entourage peut être trompé. Donc son rôle en est évidemment complètement biaisé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je crois que l'entourage a besoin de mettre des contraintes, de mettre des limites extrêmement fortes. Soit d'ailleurs, le joueur lui-même les accepte, par exemple, il s'interdit de casino, mais par exemple, lorsqu'on entre dans les formes les plus sévères du jeu pathologique, dans lesquelles des commencements d'actes délictuels, c'est-à-dire d'utiliser frauduleusement des comptes de proches de la famille, ou même dans son entreprise, dans son travail, et lorsqu'on observe ça, je crois que l'entourage ne doit absolument pas supporter ça. Je crois qu'il faut mettre une des règles absolument très strictes. Et ensuite, l'entourage doit aider le joueur à prendre conscience de la nécessité de changer. Mais là, c'est extrêmement difficile. Et on a vu que la méthode était une méthode dure, celle des joueurs anonymes. Je ne pense pas que ce soit des méthodes dures. Les joueurs anonymes ont été créés il y a presque un demi-siècle. C'était en 1957 à Los Angeles. Sans doute parce que c'était pas loin de Las Vegas. Du Nevada. Et donc le premier groupe de joueurs anonymes, Anonymous Gamblers, s'appelle comme ça aux États-Unis, s'est créé donc à Los Angeles. Sur le modèle, exactement sur le modèle, des alcooliques anonymes qui existent là depuis fort longtemps. Et l'intérêt, c'est qu'au lieu de médicaliser le problème, il a besoin parfois d'être médicalisé, le problème est pris en charge par les gens qui ont connu eux-mêmes le problème, qui ont énormément d'expérience et qui peuvent servir à la fois de soutien à ceux qui arrivent, mais également de partager leurs expériences. Et dans les groupes de joueurs anonymes, il y a plusieurs aspects. Il y a évidemment les engagements extrêmement contractuels, c'est-à-dire devant le groupe, devant des gens comme vous, on s'engage. Et donc, on a à tenir parole. Donc, c'est... Face à des gens qui ont vécu les mêmes sensations que soi-même. Oui, parce qu'on sait bien que les problèmes du joueur, et je ne leur jette pas la pierre, les joueurs pathologiques se trompent eux-mêmes. Ils se disent c'est la dernière, et puis ils se disent, et ils se trompent le lendemain, ils trompent leur environnement. C'est-à-dire que là, on leur offre un cas dans lequel leur parole va avoir un poids considérable, et s'ils ne tiennent pas leur parole, ils vont perdre une image sociale vis-à-vis des autres. Alors évidemment, ça peut être vécu comme extrêmement autoritaire, contraignant, mais tous les gens qui sont passés aussi bien dans les alcooliques anonymes que dans les joueurs anonymes reconnaissent qu'ils ont besoin de ce cadre
très structurés qui n'ont pas été capables de pas construire tous, sur l'alcool, pas tous. On a fait récemment une émission sur les femmes et l'alcool et on a des femmes à qui ça... Vous avez raison, parce que tous ces problèmes sont assez différents. Parfaite et d'autres à qui ça n'avait pas du tout convenu. Et on va rester dans les problèmes de l'entourage. Donc l'entourage, c'est bien souvent l'épouse vis-à-vis de son mari, c'est parfois la mère vis-à-vis de son fils, mais c'est parfois aussi la mère vis-à-vis de sa fille. Je demande d'accueillir Elisabeth qui vient de nous rejoindre ici. Elisabeth, venez. Une réaction d'abord, parce que vous avez entendu peut-être madame depuis le début de cette émission. Ben oui, j'ai un petit peu l'impression de ne pas être dans le même domaine que ces gens, oui. Parce que ma fille ne joue pas du tout de cette manière-là. C'est-à-dire que ma fille joue dans des cafés, des machines à sous, donc c'est pas prestigieux. Ça vous semble un peu misérable, vous voyez pas où est le plaisir, c'est ça? C'est pas misérable, parce que c'est vrai que dans le sud où nous vivons, le café est un lieu de vie. Oui, c'est vrai. Et qu'à l'heure actuelle, il faut le savoir, moi je crois que c'est quand même important de le dire, dans ces lieux de vie, on met à l'heure actuelle des machines à sous qui sont illégales. Et on se débrouille derrière le bar, c'est ce qu'on dit parfois. Et on se débrouille derrière le bar. Et le patron, c'est vrai ça? Le patron de bar... Tout à fait. Le patron de bar devient... Ça, c'est scandaleux. Le patron de bar devient un dealer, parce que pour moi, c'est ça. Pour vous, c'est de la drogue? Pour moi, c'est la drogue. Votre fille a quoi? Il y a une petite trentaine d'années? Elle a une trentaine d'années, oui. Elle est maman? Elle est maman d'un petit garçon, oui. Qui a quel âge? Il a 4 ans. Vous sentez qu'elle le met en danger parfois? Elle l'a mis en danger quelques fois, oui. De quelle manière? Elle l'a mis en danger parce qu'une fois, parce qu'elle a des pulsions. Hein, qu'elle adore son enfant, attention. Hein. Mmh. Je veux qu'on mette bien les choses au point. C'est une maman qui adore son enfant, qui vit pour son enfant, peut-être même trop. Et donc, un jour où elle a dépassé les bornes sur le plan de la légalité, c'est un peu difficile à raconter. Elle était avec son enfant, elle est partie jouer, elle a laissé dormir dans la voiture, chose qu'elle n'aurait jamais faite si elle n'avait pas été dans ce style de comportement. Elle a joué de l'argent qui ne lui appartenait pas. Et une fois qu'elle a eu joué cet argent, face à nous, puisque c'était de l'argent qui nous appartenait. Je suis commerçante, c'était de l'argent qui était... Quoi, qu'elle avait piqué dans la caisse? Non, pas du tout. Elle ne fait pas ça. C'est différent. Mmh. Je lui ai confié l'argent pour le mettre à la banque. Ah oui. Muriel, enfin, ma fille joue, si vous voulez, quand elle a de l'argent en main. Si elle ne l'a pas, elle ne va pas être malhonnête. Il ne faut pas la mettre en contact avec de l'argent. Quoi. Voilà, c'est tout à fait ça. Vous vous êtes rendu compte combien de temps après le début de sa passion qu'elle jouait, votre fille, de l'argent? Je suis très culpable. Enfin, je me culpabilise beaucoup parce que je m'en suis rendu compte tard. Je savais qu'il y avait un problème, je me rendais compte qu'il y avait un problème, j'ai essayé d'en discuter avec elle, j'ai essayé d'aller au fond des choses avec elle, parce qu'on discute beaucoup, on est quand même très... On parlait de la réalité des choses, quoi. Oui, bien sûr, ouais. Bien sûr. Et donc, j'en suis venue à me demander si elle se droguait. Ouais. Je lui ai posé la question. Elle m'a dit non. Et elle m'a juré qu'elle ne se droguait pas, bien sûr, elle ne se droguait pas. Mais elle n'a pas abordé le problème à ce moment-là. Il a fallu qu'elle se mette en danger ce jour-là, parce qu'elle a fait une tentative de suicide, oui, à la suite de ça. Il a fallu qu'elle se mette en danger ce jour-là pour me l'avouer. Alors peut-être s'était-elle mise en danger pour justement pouvoir me l'avouer. Justement, pour aller jusque-là, ouais, ça... Pour aller jusque-là. Ça a cassé quelque chose, de l'impression? Oui non, parce que je crois que tout de suite, immédiatement, quand elle ne m'en a pas parlé tout de suite, elle en a parlé à mon mari, qui n'est pas son père. Elle en a parlé tout de suite à mon mari, lequel lui a dit « tu en parles à ta mère ». Et à partir de ce moment-là, si vous voulez, bon, ben, les choses, on a commencé à en discuter. Et moi, je me suis dit « elle est malade ». Je n'ai pas pensé qu'elle était malhonnête, je n'ai pas pensé qu'elle était... Je me suis dit « il y a un gros, gros problème ». Et j'avais été alertée, et c'est pour ça que je pense que les jeux dans les cafés sont pernicieux. Parce que j'avais été alertée par mon fils qui me disait « j'ai l'impression que Muriel joue ». Mais moi, je n'ai pas imaginé une seconde. Mais par une seule seconde, que ma fille jouait des jeux d'argent. Je pensais qu'elle jouait au flipper, parce que c'est un flipper, quand vous le voyez, ce jeu. Hein, c'est pas... c'est anodin. C'est déguisé. Ce sont des machines à sous déguisées en flipper. Et en Belgique, voilà, c'est autorisé. Alors, donc, moi, quand mon fils m'a dit ça, je me suis dit, elle perd du temps dans ces trucs-là. C'est ridicule, à 30 ans, de perdre du temps dans ces trucs-là. Donc, on a abordé légèrement le problème, mais pas à fond.
Et puis, parce que pour moi, le jeu, c'était le casino, c'était ces choses-là, c'était des cercles. Et je n'imaginais pas une seconde que ça puisse être ça. Qu'est-ce que vous envisagez pour essayer d'aider votre fille à s'en sortir? J'envisage plein de choses. Mais quoi? Quoi? Parce que voilà, elle est complètement... Elle s'en est sortie actuellement? Je vais vous dire, elle a tout perdu. C'est-à-dire qu'elle a perdu son boulot, elle a perdu sa voiture, elle a perdu tout ce qu'elle avait. Il lui reste son fils et sa mère. Et il lui reste son fils et sa mère, voilà. Bon, il lui reste son entourage. Son frère, ses amis. Son frère, voilà. Ouais. Ses amis, beaucoup moins, parce que les amis fuient aussi, parce qu'elle emprunte de l'argent qu'elle ne rend pas, parce que c'est tout un engrenage. Qu'est-ce qui pourrait donner des conseils à Elisabeth, ou en tout cas discuter avec elle de son problème? Qu'est-ce que vous feriez? Je pense que, déjà, j'en ai parlé un peu avant l'émission. Oui, ça, on n'était pas là, nous, donc si vous pouvez nous en faire profiter. Je pense que, déjà, il faut éviter de lui interdire. L'interdit est un stimulant dans le jeu. Et ça, c'est une constante. Il faut essayer de lui parler, il faut essayer surtout de lui dire de trouver autre chose, parce que une passion s'enlève par une autre passion. Vous n'avez pas réussi à remplacer la vôtre, vous? Si. Bon, vous avez dit non tout à l'heure, James. J'ai dit non, mais parce que je ne veux pas raconter toute ma vie, mais enfin, je suis comédien maintenant, et je le fais avec passion. D'accord. Christine, vous avez un conseil à donner à oui, cette dame? Oui, je suis comme James. Moi, je suis contre l'interdit qui pousse, parce que, bon, j'ai eu quand même une vie multiple, quand même, notamment avec des joueurs, et j'ai vécu avec quelqu'un qui n'était pas joueur. Donc, il ne comprenait pas ma passion du jeu. Là, effectivement, je commençais à mentir. Il pensait que j'avais un amant. Effectivement, j'avais des 5 à 8, pas des 5 à 7. Je courais à 5 heures, je revenais à 8 heures pour le dîner, je passais mon temps à mentir, et là, ça devenait un vice. Parce que je pense que l'interdit vous pousse. Donc là, le mensonge intervient et l'envie est encore plus prenante parce qu'on ment à tout le monde. Ça, je crois que c'est une chose que nous avons compris. La seule chose, moi, qui me... Et c'est là où je voulais vous poser une question. Parce que si vous voulez, dans la mesure où elle a tout perdu, il est évident qu'elle revient chez nous. C'est ce que je suggérais tout à l'heure. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut définir un cadre très structuré, très précis concernant les problèmes d'argent. Voilà. Mais je pense que l'aide doit être massive au niveau d'abord de montrer qu'on est disponible, qu'on a une écoute, qu'on comprend, qu'on ne rejette pas. Et il faut aider progressivement la personne à passer à une étape fondamentale, c'est la décision d'essayer d'arrêter. Et ça, cette décision doit être progressivement mûrie. Alors elle a lieu, vous l'avez fort bien dit, elle a lieu soit par un déclic, c'est-à-dire un événement de vie, c'est sûr. Quand on s'aperçoit que brutalement on remet en question quelque chose de fondamental, de chez soi. Ça arrive aussi parfois lorsqu'il y a des décisions de justice, lorsque les gens ont été obligés de faire des actes délictueux pour se procurer de l'argent. Et là, c'est une prise de conscience et un déclic qui est des fois, extérieur à vous-même, qui a lieu. Et là, les gens peuvent commencer à décider « je veux arrêter ». Mais je crois que tant que la personne n'aura pas pris cette décision, eh bien... C'est extrêmement difficile. On peut aménager l'environnement, car on ne peut pas contraindre les gens. D'ailleurs, la contrainte, vous l'avez dit, ne servira à rien. Tout à fait, mais ça, j'en ai conscience. Simplement, je crois, enfin, j'espère, parce que c'est un petit peu pour ça. Je ne suis pas venue de gaieté de cœur, croyez-moi. Je n'avais pas du tout envie d'exposer mes problèmes comme ça aux yeux et aux yeux de tout le monde. Simplement, Muriel a eu très envie, au moment où on a commencé à parler de cette émission, qu'on en parle. Alors je me suis dit, si elle veut qu'on en parle, c'est que quelque part, elle a envie. Bien sûr. Elle a envie de faire quelque chose. Elle a envie de bouger un petit peu et de changer encore, quelque chose. Elle est jeune encore, elle a une trentaine d'années. Je crois que quand les gens, puisqu'on sait bien que les gens gardent ça pour eux, d'abord pour plein de raisons, parce que c'est une affaire entre eux, et souvent le jeu n'est qu'une affaire entre eux, et personne n'a à s'en mêler, parce qu'il y a toute une forme de jeu qui ne dérange personne, qui est un style de vie, et je le redis à nouveau, qui doit être accepté et toléré par tout le monde. Mais lorsque la personne ensuite décide que ce n'est plus que son problème et qu'elle commence à en parler autour d'elle, eh bien je crois que la personne a franchi une étape importante, c'est-à-dire qu'elle est prête un appel de secours. Il y a différentes formes d'appel au secours. Je pense que vous avez indiqué une forme d'appel au secours. Et là, je pense que les gens sont relativement prêts. Mais je crois qu'à ce moment-là, il faut rentrer dans des aides. Dans des aides, que ce soit de spécialistes, psychologiques, des aides de groupe. Mais je crois qu'il faut rentrer dans les aides. Parce que je crois que là encore, et je réaffirme avec force que dans certains nombre de cas sont des problèmes pathologiques et que les gens ne peuvent pas eux-mêmes s'en sortir. Et lorsqu'on fait appel à la force de volonté, et la force de volonté, c'est un peu comme si on disait à un aveugle, et la force de voir. Ouais. Je veux dire,
Justement, son problème, c'est qu'il n'a pas cette force. Sauf et donc, il faut non pas lui donner des conseils comme ça, résister la force, etc. Il faut... Sauf que nous, quand ça m'est tombé dessus, c'est-à-dire que le jour où j'ai appris, la première chose que j'ai faite, c'est de chercher une association qui pouvait nous aider. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dans le sud, il n'y a rien. Alors, j'ai fait appel à ma sœur qui habite à Paris, qui, elle, a cherché. Alors, par SOS Amitié, on a trouvé SOS Joueur. C'était au mois de septembre. Au mois de septembre, on est tombé sur un répondeur qui nous disait, nous sommes en vacances, mais OK, rappelez tel jour. Alors, inutile de vous dire, à 8h du matin, on avait appelé le jour dit, le téléphone occupé, et puis à un moment donné, un message, l'association est en stand-by. Manque de personnel dans cette association, voilà, en l'occurrence. On va recevoir Bertrand Renard, qui va descendre ici-bas pour la conclusion de l'émission. Sous encouragement du public, il est un peu tard, allez, on s'en va. Alors, qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous a intéressé? Qu'est-ce qui vous a moins plu? Qu'est-ce qui vous a carrément ennuyé? Non, j'ai été extrêmement passionné en tant que non-joueur, je le disais tout à l'heure. Enfin, vous jouez, mais vous ne jouez pas au sens où on l'entend. C'est comme quand on dit « il boit », ça ne veut pas dire de l'eau. Exactement, peut-être que j'y viendrai d'ailleurs. Alors, déjà, il y a une chose, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit madame. Il y a une chose tout de même qui me frappe, et là, monsieur Légeron va peut-être nous en dire plus. Ouais. Comment se fait-il que, puisque nous avons vu qu'il y avait vraiment des malades, hein, vous êtes considérés comme des malades. Donc, on sait que la drogue est un fléau, on sait que l'alcool est un fléau, le tabac est un fléau, c'est une question de santé publique. Les joueurs, visiblement rien. Monsieur a parlé de son association, qui, je le crois, est à Bruxelles. C'est voilà. Apparemment, il n'y a quasiment rien en France. L'État, SOS Joueurs, ils ont du mal, en tout cas. SOS Joueurs, ils ont... Et puis, ce sont des associations. Mmh. Aucune décision publique. Peut-être, justement, parce que l'État, par l'intermédiaire de la Française des Jeux, fait de plus en plus jouer et nous transforme tous en joueurs. J'ai ressenti plusieurs formes de joueurs et ça explique peut-être effectivement qu'on ne parle pas tout à fait de la même chose. Finalement, nos vainqueurs jouent des jeux qui sont des jeux que j'appellerais complètement passifs. Hein, le millionnaire, vous cochez des croix. Et joue au PMU aussi. PMU, c'est passif pour vous aussi? Oui, mais le PMU, quand c'est monsieur qui joue professionnellement, et qui sont... mais la majeure partie des gens qui jouent au PMU, en général, n'ont pas tellement d'idées des chevaux. Mmh. C'est un jeu passif, et paradoxalement, c'est là que ça rapporte. Et finalement, bon, vous êtes très content d'avoir gagné de l'argent, mais j'ai moins ressenti le plaisir du jeu. J'ai même ressenti que vous, pour certains de ces joueurs-là, qui n'aimaient pas le jeu, alors que, comme par hasard, ceux qui adorent le jeu, madame, donc c'est Christine et James, adorent le jeu parce qu'ils jouent à des jeux qui sont des jeux de casino, mais qui sont des jeux, finalement, que ce soit le poker, même le blackjack, le chemin de fer, où on participe, on fait un choix en jetant une carte. On n'a pas parlé du tout de la manière dont on jouait à tous ces jeux. J'ai senti que là, le plaisir et l'œil qui s'allumait, ça venait aussi de cette espèce de participation et d'activité. Vous êtes de véritables acteurs. Maître de son sport. Quoi, et d'ailleurs, James a dit qu'il détestait les machines à sous, parce que les machines à sous, à la limite, moi, je me mets devant une machine à sous, je peux très bien lire ou manger, et puis je suis, à la limite, j'entendrai au bruit si ça marche ou si ça ne marche pas. C'est complètement passif. Ouais. Par ailleurs, il y a une chose qui m'a tout de même frappé, il y a un peu un tabou qu'on a... je crois que vous y avez fait allusion, vous avez parlé de tous les milieux sociaux, en même temps, j'ai tout de même ressenti une inégalité sociale dans tout ça. Parce que, par exemple, bon, monsieur Fabien, vous avez gagné une somme énorme. Vous étiez simplement... Serveur mécanicien. Finalement, c'est vrai que c'est extrêmement tentant pour tout le monde de se dire, tiens, on gratte et on devient millionnaire. Madame et monsieur, visiblement, il y a autre chose. Il y a tout de même une certaine habitude luxe. Même vous avez dit que vous étiez d'origine modeste, monsieur James. Mais vous, si j'ai bien compris, avec le bus Palladium à 20 ans, ça n'a pas duré longtemps. Et c'est après que vous avez commencé à jouer. Donc, quand vous aviez tout de même une assise financière, il y a tout de même une énorme différence entre les gens qui ont tout de même les moyens. Il faut avoir les moyens de jouer. C'est ce que j'ai compris. Je ne crois pas qu'il faut avoir les moyens de jouer. Non, attendez, j'ai dit qu'il était plus facile de jouer quand on s'appelle Liliane Bettencourt que quand on s'appelle monsieur je ne sais pas quoi. Mais le drame c'est pas le drame du jeu en fait, et là où l'émission quand même gravitait autour, c'est que Liliane Bettencourt quand elle joue, il y a absolument rien de dramatique.
Oui, justement, alors c'est ce que Monsieur je dis. X, quand il joue, c'est exactement la, ça, somme, la somme n'est pas la même. Encore que... Oui, bien sûr. Monsieur de Rothschild était interviewé au champ de course. Il avait un cheval qui courait le Grand Prix. Et on lui a demandé, est-ce que vous allez le jouer? Et c'était, je pense, Léon Zitrone qui lui avait posé la question. Et Monsieur de Rothschild a dit, je n'en ai pas les moyens, je n'ai pas les moyens de jouer. Ouais. Oui, bon, c'était peut-être une boutade. Non, non, c'est pas une boutade, il n'a jamais joué. Il n'a jamais joué, mais c'est... alors c'était. Il n'avait pas les moyens de se perdre dans le jeu parce que personne n'a les moyens. En fait, parce qu'en réalité, il n'y a pas de limite pour le jeu. Toutes les ça, fortunes. Ça, si les Rothschild n'ont pas les moyens, c'est-à-dire que personne ne les a. Personne mais non, les mais moyens Citroën s'est ruiné au jeu, c'était une grosse fortune. André Citroën, oui. Bien sûr. Et il s'est suicidé aussi. Oui, mais est-ce qu'il avait vraiment des fonds personnels? Énorme. C'était son entreprise. Oui, mais enfin, c'était des fonds. Oui, mais enfin, il y avait des ouvriers. Enfin, dernière petite chose. Je trouve que finalement, James a trouvé le bon moyen parce qu'il est devenu comédien. Mais finalement, qu'est-ce que c'est qu'un comédien? C'est quelqu'un qui, quand il ne joue pas, ne gagne pas d'argent. Et quand il joue, on le paye. C'est formidable. C'est une belle formule. Finalement. Merci Bertrand Renard, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. La semaine prochaine, dans Ça se discute, nous évoquerons un problème de santé. On en parlera il y a un instant avec Bertrand. Est-ce que les médecins, est-ce que la médecine générale de ce pays doit dire toute la vérité aux malades? Parfois, les médecins ne sont pas préparés. Ils font assez peu d'heures de psychologie. Parfois, ils ont un peu les pépettes, un peu peur. On recevra sur ce plateau des gens qui sont malades ou qui ont été malades, des adultes, mais aussi des enfants qui ont posé beaucoup de questions, qui n'en ont pas posé, qui ont voulu savoir la vérité, qui l'ont su ou qui ne l'ont pas su. Ce sera donc mercredi prochain dans Ça se discute, juste après le téléfilm, 22h30, 22h45. Merci d'avoir été avec nous. À suivre le dernier journal et le cercle. Merci de votre attention aussi tard. À mercredi prochain. Bonsoir. Thank you.